Peut-être aller sur le Discord, j'avoue. Tac. Voilà, ça je suis sur le Discord. Ah bah il est là. Ah c'est... Les handicapés. Ah c'est quelque chose. Bonsoir, tu es mute. Hein? Ah c'est bon. Oui, j'ai l'impression que ce Discord ça bug, ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. On n'a pas du tout switch 15 fois de channel pour essayer de se retrouver à chaque fois que tu partais, je parle. Non, jamais. Jamais, ça non. Ça se fait pas, ça. Évidemment. Bon, on a un poil agrandi la map. Hein. Ah ouais? Je peux le voir derrière toi. Attends, j'arrive. Je change un truc, attends. Ça marche. La bordure, elle doit faire un pixel de plus. Ah oui, d'accord. Ok. Hop. Ah oui, ah, ça déborde un peu là. Ah là, c'est pas fini là. Hein. C'est ouais, pas fini ouais, là. Ouais. Tu sais que là en fait, il y a quand même 5 blocs de large. Il hein. y a 5 blocs de ah large. Ouais c'est 128 par 128 et il y a 5 blocs de large. Hein. Donc, on a fait un portail du Nether pour y aller. Donc, voilà. Ok, ça marche. Tiens d'ailleurs, si tu veux ta petite map. Hein. Nice. Oui, j'ai vu Onge ton clip, mais je. Non, mais faut pas abuser non plus. Arrêtez, Red Talk, c'est pas non plus un criminel. Hein. On m'envoie un clip de. J'ai pas mis la scène, hein. J'avais pas mis la scène, évidemment. On m'envoie un clip de Red Tox qui tue des vaches en mode non mais au bout d'un moment les gars ça suffit. Abusez pas non plus. Bon ça tombe cette histoire là. Oh oui ça tombe. Ouais y a un petit stack de gunpowder. Hein. Petit stack de gunpowder. On a, alors pire y a un peu moins d'os, pire il y en avait taxé. Bon ça. Après c'est là pour ça. Hein. C'est ça. Mais... Bon c'est l'opération Anarch Moldave c'est ça. Opération Anarch Moldave. On va attendre que Pierre soit là pour en parler quand même. Évidemment. Parce que c'est quand même un projet assez intéressant. Et... C'est ça. Il y aura sûrement de la haine hein, dans les heures qui suivent. Mais, et d'ailleurs, pour ça, il faut évidemment que je fasse de la place dans l'Ender Chest. Tout à fait. Pour prévoir les choses importantes. Tout à fait. Je t'avoue qu'il faut que je le dégale aussi mon Ender Chest parce que j'aurais pas la place. Hein. Bah, moi, je vais juste mettre tout ce qui est genre. Mais genre ultra important. J'enlève vraiment les trucs. Ouais. Faut pas faire sans. Tac. Ça du coup. C'est quoi le plus important? C'est surtout ouais, surtout ça. Il y a un nombre de moutons, c'est une orgie. Hein. Ouh là là. Ouh les orgies. T'es, en fait, t'as même pas le temps de les tondre, qu'ils ont déjà tous récupéré leur laine en fait. Ah, c'est du rendement extrême, hein, c'est. Ah bah là tu peux pas. En fait tu peux juste passer ta vie en plein milieu des moutmouts quoi. À ce point là. Ah ouais non mais. Bon j'ai tout rangé là. Voilà. Bon là je peux pas parce que j'ai plus de shears maintenant. Ah. Bon voilà. J'ai fait petit tondage. Hop. Ça nous a fait 3 stacks et demi. Pas mal. Tac, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne d'autre? Je prends un peu de ça, tiens. Ah bah du coup, en vrai. Ah mais c'est le bois de pierre, ça je peux pas les voler sur mon bois. Mmh. Ah bah j'ai un peu de bois, c'est bon, nice. Voilà, je vais mettre du bois aussi, comme ça on aura ce qu'il faut. Bah je pense que le temps qu'il arrive, j'allais faire un petit aller-retour vite fait. Moi je vais. Tu veux venir voir la taille que ça prend? Ah non, moi je vais. Ouais, je vais aussi, vas-y go. J'allais dire, je vais peut-être éliminer un peu. Côté, mais... hein, on va vous expliquer ce que c'est l'opération Molda, vous inquiétez pas. Ça va arriver. Hop, voilà. On attend que tout le monde soit là. C'est... D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué. Ah oui, t'as pas marqué, mais regarde. Ah là, pour l'occasion, j'ai sorti le costard. Ah, nice. Bien sûr. C'est une opération bien de grande envergure. Mais j'arrive pas. Mais comment tu fais pour aller vite? Moi, j'arrive pas. J'ai plus sur espace. Mais moi aussi, je. J'ai l'impression que tu vas plus vite que moi. Ah, go. Je me suis enculé le doigt. Du coup j'ai mis du Jimmy Bois dans l'Under Chest. Ça c'est des barres de rien. Putain on rigole trop avec ce chat. J'en peux plus moi. Évidemment. J'en peux plus là, je m'étouffe là. Et voilà. Ouais, non, ça mais... c'est la map qu'on va refaire. C'est pour ça que c'est un peu la merde. Hein. Et tu vois, et en fait, tu vois, il y a quand même 5 de large, hein, et sur la map, ça fait tout Rikiki du fion. Hein, ouais. Tour, hein.
Donc, ouais, bah. Et en fait, ce qu'on fera, c'est qu'en bas, on mettra nos têtes. Hein. On mettra nos têtes en bas du logo. Pas bête. J'avoue. Attends, je reviens, je remets la porte de Martin. Parce qu'il s'est acheté le casque, c'est à 600 balles où on n'entend rien. Sauf que, ah, oui, sauf que lui, il n'entend rien. Pas de fantôme, quoi, là, c'est ça. Ça devrait être un peu mieux. Bon, je lui ai fait le coup de la corde à linge, donc là il va être un peu sauvé pendant quelques minutes. Donc on aura un peu de calme pendant quelques minutes. Ok, nice en vrai. Nice. Donc voilà, et du coup on fera sûrement toutes nos maps ici. En fait Pierre il avait... il soumettait une idée, mais on va pas le spoil. Une idée de qu'est-ce qu'on pourrait vendre plus tard, mais... Ah non, mais on va attendre. Évidemment. Bah je pense déjà qu'après l'opération Moldave, arnaque Moldave, on pourra peut-être tenter une arnaque. Hein. Ouais, tu sais que la Red Alp Industrie, je sais pas trop quoi là. Donc Red Talk, ouais. C'est Alps. Hein. Ouais. Ils sont en train de construire leur boutique qui a littéralement 10 blocs de la nôtre. Oh, mais les arnaqueurs, mais c'est pas vrai. Et ils vont vendre apparemment du stuff en diams, des gens en chant, tout ça, tout ce que tu veux. T'sais. Non, mais on est gentil avec les gens pourtant, nous. Hein. Bon. Mais eux, genre, ils nous. Non, mais. C'est une honte. Par contre, alors tu vois, le truc, c'est que. En fait, c'est ce qu'on se demandait avec Pierre, c'est que. Vu que là c'est Red Talk, c'est Alps, si derrière, enfin si là ils vendent des bouquins slash armure, si derrière ils veulent vendre de la Netherite hein, ou des Bicons ou quoi, faudra qu'ils fassent une autre boutique je pense. Oui mais peut-être pas à 10 mètres de la nôtre quoi genre. Quand même, il y a un espace, il y a un bon espace quand même. Je vais aller à la boutique, je vais déposer un petit cadeau là. Ah bah je vais venir voir ça quand même. Ouais, bah du coup, je vais à la boutique. Hop. Alors, oui, pour ceux qui spamment la phrase de Stonk Industries, alors je vous rappelle que je travaille dedans, hein, donc ça sert à rien de me le spam. Tandis que c'est ma société, donc. Le but, c'est d'aller spam les autres, pas moi. Moi, je la connais, ma société, je fais des milliards avec. Pardon, j'aide des petits autochtones avec leur artisanat local. Donc, voilà. Je connais ma boîte, en effet. Et par contre, je vais que me bloquer. Tu par contre à la fin. Oui bah après. Après l'arnaque moldave. Du coup demain soir Pierre est pas là hein, c'est ça? Oui. Ouais. Demain soir Pierre il prend sa soirée et puis ce week-end jusqu'à je crois que c'est quoi, c'est samedi, dimanche, lundi, mardi je crois qu'il est pas là un truc comme ça. Oui il va être absent pendant un petit moment. Ouais. Bah je pense que c'est à partir de ce moment là qu'on partira dans notre coin de toute façon. Pierre il va revenir, il n'y aura plus rien. Bah ils sont où? Bah je pense que moi même d'ici là je commencerai peut-être un petit peu à aller faire mes farms pour les boutiques ouais. Ah oui d'accord, non mais ça va les gars Ah t'arrives au blaze hein. Vas-y prochain magasin le met devant le portail. Comme ça dès que les gens ils arrivent il y a notre magasin direct. Non mais l'abus des mecs. Hop on se met là directement. Alors ça vend ici ou pas? Ça stonks? Ah ça stonks. Tu viens de les prendre ou pas les diamants? Ça stonks un max. Je les ai pris tout à l'heure. Hein. Ah ok, bah y'a pas eu de revente depuis. Ouais. Ah c'est calme. La seule fois où je vais vérifier évidemment y en a pas. Super. Ça fait ultra plaise. Shop provisoire construction le 2 juillet. Bah, ça va, on a le temps. Eh hey, bonsoir. Bonsoir. Le 2 juillet. Pierre, on a un problème. On a un concurrent. Non mais surtout qu'ils se sont mis bien. Prochain magasin, Pierre on le met là hein. On le met devant le portail là, je m'en fous. Si ça veut jouer à la concurrence, on va jouer à la concurrence. Y a pas les prix. C'est le shop du bled ça. Bah c'est nul en plus. C'est le shop du bled ça, je reconnais. Bah de toute façon je pense que la qualité du shop c'est la qualité de leur produit. Vendeur de tapis. Non mais j'ai Oh comment bon, j'ai écrit prêt quoi putain. Oula. Mon dieu. Non le plot est validé. Je l'aurais validé. Ouais mais moi j'aime bien râler quand ça fait chier. Ah mais mettez-vous plus près non. Alors, non mais on est fortune 3, sharpness 5. Oh pack pioche.
Ils sont en train de les fusionner. Pack armure, casque botte, pack épée, armure enchantée, armure non enchantée, armure non enchantée. Pack pioche, tu touches fortune, mais ils sont courants que c'est pas ça. Armure complète, 12 diamants, mais ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a aucun sens. Oui, non, mais parce qu'ils achètent avec les PNJ. Ils ont les PNJ en fait, ils leur vendent les armures. Ah, en gros, pour une émeraude, ils ont l'armure. Non, on chourave pas, on reste courtois. On reste Thibaut courtois. Alors, pack épée, est-ce que tu les achètes tous fusionnés, je suppose? Je suis intéressé de savoir les prix. Alors après, globalement, ils vendent du protection 4 qu'on n'a pas, du infinity on n'a pas. Fortune 3, on a. Ouais. Pack pioche, seal touch fortune, mais je pense qu'elles vont être unbreaking, seal touch efficiency. C'est pas grave, on verra combien ça coûte. Parce que beaucoup de gens ont déjà efficiency, ils cherchent juste à rajouter seal touch et fortune. C'est vrai. Il est bon. Après c'est, c'est de la bonne concurrence, c'est de la concurrence hardcore. Ouais, parce qu'ils ont Feather Falling, Depths Rider, c'est des choses qu'on n'a pas. Ouais mais c'est de la bonne, mais c'est bien, c'est de la concurrence hardcore, il nous en faut. C'est comme ça que le serveur vit. Alors attendez, message... Mais c'est pas, pour, c'est pas pour autant que je vais pas les, les clash. Hein. Devenir... Non dis-leur qu'on leur, rachète leur, leur plot, puis voilà. On leur rachète leur plot et c'est bon, hein. C'est gagné. Hein. Si vous en avez pas... Attends, je leur propose un deal. Mais c'est bien, nouvelle boutique! Merci Alexis. Ah, j'ai... Mon chat à chaud, je crois. Ah, ton chat... Elle fait ton un... chat chaud. T'as chaud, là? Elle a chaud. Après, bon, ça, c'est la boutique du luxe, quoi. Est-ce qu'ils ont un truc de fidélité? On a revendu des trucs. Alors, sachez-le, on a revendu 32 diams encore. Ouais, ce matin, mais c'est surtout même ce qu'a acheté encore, je crois. Ah. Aurélien, il va peut-être acheter. Mais du coup, je me disais, comment on fait pour revendre notre assurance, du coup, maintenant ? On peut plus la vendre. Ah, on la vend plus. Aïe, aïe, déjà sold out. Attention, ça bonne dans 3, 2, 1. Oh, ça banne, yes. Donc, on a nous. Et alors, on a un autre nouveau shop qui est arrivé. Ah, il a fait point de flèche. Là. Offre roi Louis, c'est Hog Boomer. Parfait. L'offre Boomer, bien sûr. Il y a les impôts déjà. Red Tox ne m'a pas répondu. Mais bon, on va les laisser s'étoper là. Bon, moi je vais préparer l'opération Arnaque Moldave. Hein. Il y a beaucoup, après, de... Bon, beaucoup de préparation. C'est vrai. Je vais faire pareil. Ils sont combien, des monnaies dans la chest. Hein. Oui, alors on va préparer l'OP de ce soir, etc. Le temps que les gens arrivent, on va aller tranquillement à notre base. Ah, c'est une OP, c'est une OP, on est payé. Inside. Bah oui. Insane. Putain, je vais regarder l'Enderman. T'as payé le contrat? Quoi? Hein? Ah, putain, mais l'arnaque. Si je joue au guesseur, non, du coup, parce que je suis pas payé. Aïe. Recherche. Merci Alexis, petit pas, pour tes 100 bits, merci beaucoup. Donc, c'est gentil, merci à toi. Salut la plèbe, apparemment. Ah, déjà. Dame la plèbe. J'espère que tu vas bien. Oui, alors en parlant de Tokar. Comment ça? Hein, pour revenir sur... Alors, les gars, hier... Ah oui. Quand j'ai parlé du beau message à poster... Oui. Dans le chat, là... Oui, oui, le fameux cerveau, message. Il faut pas le spammer 90 fois. Bah, et surtout, faut pas le spammer chez les gens qui travaillent dans cette boîte, puisque moi aussi, on va spam. Moi aussi. Je travaille dans la boîte. On a tous les trois reçu des messages. Oui, on travaille j'en dedans. Aujourd'hui, hein. J'en reçois encore cet après-midi. Hein. Parce mais que oui. Le problème, c'est que c'est pas stonk ça. Parce que après. On passe pour moi, quoi? On passe pour des relous. J'en ai qui me disent. On commence à avoir les gilets jaunes qui me disent. On exige un dédommagement. Tous les 10 commentaires, un livre Mendy gratuit. Hein, c'est pas très stonk ça. C'est. Là, l'État passe pour un abruti là, hein, à cause de vous. Hein. Donc, votre objectif, votre seul et unique objectif, c'est qu'il y en a un qui poste. Un seul objectif, c'est
Ah, mais tu dis ça à des milliers de personnes. Hein. Non, bon, c'est vous pas regardez le bon les plan, commentaires. Ça. Il y en aura forcément un qui en aura posté un. Hein. Regardez les commentaires. Il y en a forcément un qui en aura... Vous postez pas. Vous mettez un pouce bleu sur le commentaire pour qu'il remonte tout en haut. Pouce bleu. Le but, c'est pas qu'il y ait 50 commentaires, c'est qu'il y en ait un, mais qu'il soit tout en haut. C'est ça l'intérêt du truc. Donc, utilisez votre cerveau. Merci, Chi. Bande de chaussures. Ouais, bande de chaussures. On a fait quoi de la gueule? On a avancé un petit peu sur la hein map. Voilà. Oh, je... Dans un coffre. Et dans un coffre. Je te dirai pas lequel. On a commencé la map un tout petit peu. Par contre, faut qu'on fasse... Alors, on va préparer ce qu'on va faire ce soir, discretos. Déjà, déjà prenez un lit, c'est obligatoire. Pourquoi? Ah oui. Bah, à ton avis. Moi, je vais aller chercher de l'obsidienne parce qu'il non, faut qu'on... Déjà, videz vos under chests. Moi, je prends le chest du fond pour le contenu de mon under chest. T'inquiète, moi, c'est vidé. C'est vidé, mon under chest est prêt, moi. Il est prêt, il est tout beau. Ça, on n'a pas besoin, on peut poser là-dedans, on peut prendre quand même quelques popos, ça servira. Ah ouais, les popos par contre, j'ai pas pris. Faut qu'on en fasse ou pas des stocks de popos? Oui. En vrai, on en rachète, il n'y a rien dedans déjà. De base. Alors, par contre, il va falloir refaire des trucs du bled, du genre une épée du bled. On peut peut-être lui foutre sharpness 5 quand même. On l'a fait en fer sharpness 5, c'est ok. Bah, moi j'ai un reste, j'ai le reste de mon ancienne épée. Faut que tu achètes les bouquins. Je vais acheter les bouquins, je vous en achète chacun. On fait une pioche efficiency 5 et une épée sharpness 5. Ouais. Ça me paraît solide. En vrai, après, sur la pioche, on n'était pas en diams, vu le diams qu'on a. Parce qu'on peut être limité à prendre Non, le diams on en aura besoin. Faire, on s'en fout, c'est infini. Bah, le diams aussi. Non. Si. Mais on est chez Stonks Industries, Pierre, quand même. Quand même. Quand même. Ah, mais y'a plus de bottles, faut que j'en fasse des bottles du coup. Zwip! Ok, bim bim bim, bim bim bim. Attention! Ceci dit, ça on peut laisser là-dedans. En vrai, une partie du stuff que vous voulez, vous pouvez le laisser dedans. Fait un peu trop de bottles. Hop. Ah! Pourquoi j'ai l'inventaire full de bottles? Quoi? Je me suis approché de toi, j'avais l'inventaire full de bottles. Bah, mes bottles. Bah je fais des potions mais il me bouffe mes bottles ce con. Ah oui alors j'ai miné un peu de netherite les gars, rien d'extraordinaire, c'est juste pour transformer un peu. Par contre c'est vrai qu'il faut que je fasse, faut que j'en fasse une armure moi parce que moi elle est dégueulasse celle de base. Ce sera mon armure de la... ouais. Je vais consommer un peu de diamant je vous préviens. Mais... pourquoi? Parce que j'ai pas d'armure acceptable, genre j'ai protection 2 sur toute ton armure là, elle est dégueulasse. J'avais une pioche en diamant, on va acheter des... Mais faut que... Oui mais je vais consommer du diamant. Pourquoi? Bah pour refaire l'armure. Une fois de plus, pourquoi? Parce que tu peux mettre des bouquins protection 4 sur ton armure. Et parce que mon armure comme ça elle est dégueulasse et ça me coûtait cher et j'ai pas d'XP. Oui mais là ça sert à rien, là on a pas besoin là. Bon. On y va pas avec une armure en diams? On y va à poil, hein. En or, enfin en fer. À poil? Ouais. En fer? Oui, non, c'est trop dangereux ça. Je prends des blocs de merde. On a des bouquins protection 3, ouais, mais ils sont à 19 émeraudes. Et j'ai efficiency 5 et il me faut juste sharpness 5. Hein. On avait sharpness 5 ici, mais. Sharpness 5, on a, ouais. Parce que je l'ai acheté. Juste que je trouve chez qui. Est-ce qu'il y en a pour ton texture pack? Bah, c'est dans le chat au bout d'un moment. Quand même! Faites pas d'efforts. Oui, le sharpness 5, messieurs les villageois. On va prendre ça. Attends, du coup, on pose tous les trucs importants là. Du coup, je pose ça. Je vais prendre ma sharpness 4. Voilà. C'est pas lui. Ils ont tous la même gueule, hein. Lui c'est trop cher. Poser ma canne à pêche c'est trop importante. C'est pas lui. C'est lequel? Ah faudrait, c'était lui. Faudrait les trier. Oh il a augmenté ses tarifs le con. Non il y en a deux. Non il y en a un qui a 6. Il a augmenté ses tarifs. Pas grave. Bah pour le sharpness 5 je sais qu'il y en a un qui est pour nous, il est à 64 émeraudes et un autre qui est à 31. Ouais mais celui à 31 il était à une émeraude avant. Tu vis ton ender chest. Mais bordel c'est mes objets pour après. Bande d'abrutis. Non mais je suis passé deux fois depuis sur tout à l'heure. C'était trop cher en Oh. C'est insupportable ces gens là.
Bon ouais, c'est good, je suis prêt. Bah attends, je fais encore quelques petites potions de Vita. Ouais, ah, le bouclier est pas déconnant. Ouais. Ah oui, un petit shield. Petit shield. Bah le bouclier, il sert quand même pour certains trucs. Oui. Ah, d'ailleurs ça j'ai oublié. Hop. Je te fais confiance, Pierre, sur ce qu'il faut prendre. Bon, mon under chest est un... C'est pour mettre sur quoi? Sur la pioche? Bah sur votre pioche et sur votre... Mais non, mais j'ai déjà une pioche de ouf. J'ai pas assez pour l'épée. Bon, le breaking, je te le laisse. Bon, moi, de toute façon, j'ai une pioche en diam, c'est efficiency 5, donc... Moi, je vais juste m'en refaire une... Prenez pas du diam, ça, je vous le rappelle. Non, mais c'est une pioche en diam, ce qui était déjà usé. Elle est genre à 90%. Ah, de ok. C'est une ancienne que j'avais utilisée pour faire l'enchant. Putain, mais tu nous prends pour quoi, Pierre? Pour il des... Il fait pas confiance, hein? Ah, genre, pas vraiment, non. Bon, pourtant, on gaspille... Pourquoi on gaspille le diamant? Bah, vraiment, je me sens pas bien, là. Je vais faire un malaise. C'est le projet secret, ce soir. Aurélien veut vendre des carottes en or. Vends-lui un accès à ta fusée usine en or. C'est vrai. Non, mais au pire, il en fera une. Mais c'est vrai que c'est un bon business de vendre. Ça, c'est un bon business, ouais. Complètement. Attendez, faut qu'on... ouais, je vais faire des... On a des under perles quelque part? Chez Roger là. Ah ouais, parce que je t'avoue que j'aimerais bien qu'on fasse des stocks d'under chest au cas où. Ah. Je me sens frais et jaune. Jeune et frais. Aïe. Jeune et frais, jeune et vigoureux. Allez. Frais et jaune. Ah oui, du coup je devais faire une pioche. Ok, de la bouffe il faut aussi. Non, j'en ai. Je vais en mettre en plus là-dedans. Ça me coûte combien si je fais ça? Du bois, on a du bois, beaucoup de bois. Oui, sûrement. Ah merde, j'ai pas assez. Il faut 9 niveaux pour la pioche. Je vais chercher un peu d'XP. Ok, du bois. Maintenant, des choses qu'il faut que je crafte. Fais des. Ah non, boss. Non, c'est bon, le cas va le faire. Deux. Bah, pour ah les. Ah, ouais, je ramène les underpearls. Oui, bah, tu fais bien. Non, mais justement, pour faire des underchests. Ah, peut-être pas. Bah, il faut. Vous avez des. Ah, non. Par contre, en vrai, niveau blaze rod, on est niqué. Enfin, on est limité, bien. Ouais. Non, mais c'est bon, attends, cherche. Il y a un endroit où c'est bon. Hein? Ah, par contre, ouais. Attends. J'arrive, faut que je monte niveau 9 et après je... Voilà ça. Je suis ready. Tu peux aller chercher chez Michel. Chez Michel? De quoi? Des trucs cool chez Michel. Ouais, ok. Il se prépare à quoi? Non mais on va vous expliquer les gars, vous inquiétez pas. On va vous expliquer. Ne paniquez pas. Ça arrive. Pour l'instant on garde ça secret, faut que ça soit la révélation. Par contre, il nous faut. C'est rare que ça le quartz ou quoi là? Ouais, ça c'est bon. J'aimerais gêner avant de partir quand même. Oui, c'est pas con. Bordel, je vais vraiment galérer pour trouver ça. Mais... A une pioche shield touch ou pas? Oui, dans mon ender chest. J'en ai deux. Ok, il nous en faudrait une en. Dehors, je sais pas. Mais normalement non, parce que si on le pose après, on est bon. Oui, c'est on sera bon. On pourra piocher dedans justement. Piocher la pioche. Ouais, ok. Ça je vais prendre enfin. Sur moi. Quoique c'est dangereux. Oui. Le problème c'est qu'il va falloir, il va nous. Ouais. Si. On a de l'opsy quelque part. On a plus d'opsy. Si, dans le coffre minerai. J'avais tant du mood. On a plus d'opsy dans le coffre. Ah mais c'est moi qui l'ai pris, pardon. C'est moi qui l'ai. Je veux bien que tu m'enfiles. Ouais, t'inquiète, j'arrive, je suis dans le Nether vite fait, je récupère 2 niveaux et je suis là. J'aurais dû le reposer, j'avoue. Erreur. Tiens, on a du bois quelque part. Oui, dans le coffre là. Dans tes coffres, Pierre. On a masse. Ah oui, ok, masse. Ok, ça. Ça, bim bam boum. Voilà, nickel. Hop, paf. C'est peut-être pas suffisant. Hop. J'oublie rien. Attends, mais c'est sérieux ce qui me manque là?
Putain, mais c'est tellement stupide les moutmouts. Je pense que j'oublie rien. Je réfléchis. Ça prenez, vous avez des honneurs perles avec vous? Moi je me fais avec... J'en ai dans l'honneur chasse moi. Ok. T'en as laissé chez José ou faut... Absolument ou pas? Ok bah c'est bien. Je vais tout donner à Pierre et j'ai mis dans... Oh merde. Ah oui, j'ai pas d'or. Quel con. Hop. C'est pourquoi il m'attaque ce con. Si, un truc que vous avez pas pris qui est quand même important. Des blocs. Si j'en ai pris, j'ai 4 stacks. Je crois que je me fais chier pour rien. Vous avez un pseudo? J'arrive, ouais j'ai un pseudo moi. Peut-être en faire un rechange. Okay. Et l'obsidienne elle est où? J'arrive, je reviens, je suis en train de remonter les lianes. Ika t'es où? Moi je suis dans les moutons en train de les tendre. Ah, nice. Je prépare le son industrie. Allo mais oh! Putain mais quand je suis en armure en fer, je suis un teubé, c'est pas possible. Ah. J'arrive, je passe le portail. Nice. Bah écoutez, on est ready. Tiens. Oh, je vais le garder de côté. C'est pour ça que mon underchest c'était un peu plein, mais c'est toutes mes affaires donc. Tenez. Ça se videra plus tard. Enfin, ça se débloquera plus tard. Merci. Vous êtes pris un lit? Chacun a... Il est en fait un seul le lit. Chacun a des enderpearls ou pas? Non, il y a que quelqu'un. Mais si, ouais. Mais j'en ai passé à Pierre. Oui, bah t'en as passé à Pierre, c'est bien ce que je dis. Ouais, bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis, ouais. Ouais, d'accord. Pas grave. Et bah on est bon. Du bois, vous en avez? Dans mon ender chest, ouais. Cool. Du coup, Ika, hein. Qu'est-il? Bah, je veux bien des enderpearls, bordel! Merci. Alors, Narvnark, je travaille pour cette société, donc arrête de me spam. Je travaille pour cette putain de société. Oula. C'est en bas, hein, Pierre? Oui, on n'a pas fait de raccourci. Ah, mon dieu. On attend tout le monde. Donc, GG. GG, K. Ah si, y'a un truc qu'on a oublié. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu... Mais non, mais non, je... C'est bon. Quoi que t'as oublié? Non, on est stonks. J'ai pas regardé, c'est faux, monsieur l'arbitre. Ah. Ouais, on l'a peut-être oublié, du coup. De... Mais de quoi tu parles? Non, parce que quand je vois Jimmy, faut pas se prendre ce qu'il vient de faire. Oui, je vois, oui. Je vois de quoi tu parles. En effet. Mais... Non mais Jimmy, t'inquiète. Si tu parles de mon épée, c'était mon ancienne épée, donc si c'est stonk. C'est stonk, c'est du recyclage. Mais je sais pas de quoi tu parles, du coup. Ouh, regardez pas là. Ah toi qui avais dit qu'on... Oh là, non mais tu vas où là? Eh, stonks. Ah, tu vas trop loin. Merci de l'avoir attiré. Tu vas trop loin. Oh putain, c'est technique. Quelqu'un pour le gérer? Non, on est passé, hein. Bah Thunderpearl hein. Thunderpearl hein. Vas-y hein. Ah mais grâce à la parenthèse en plus ça fait les meubles. Ça fait des dégâts hein. C'est vrai que ça fait des dégâts, c'est pas très strong ça. Bon donc oui, alors... Ah oui, je vois ce qu'on a oublié, oui d'accord. Avant qu'on se tombe, vu qu'il y a plein de monde, ne spammez pas comme des bolos. Tiens, bah y'a déjà un Mickey là. Les messages là qu'on vous a dit, faites preuve de... Et pareil dans les chats Twitch hein. Oui, mais surtout ne spammez pas les gens qui font la société elle-même. Genre. Oui, mais aussi, et aussi les autres, faites-le avec parcimonie, parce que sinon c'est le bordel. Alors, donc Stonks, explique donc. Ce soir, le but de ce soir, est-ce qu'on poserait pas un Ender Chest? Non, je le poserai plus tard. Le but de ce soir, vu qu'on a trouvé un Ender Chest, on va pouvoir. C'est que, comme vous le savez, on fait le dragon vendredi. Ouais. Quel message? C'est pour ceux, ils savent les gens, ce qu'on a dit hier. Bref. On fait le dragon vendredi. Donc, on tue le dragon vendredi. Mais Aurélien a bien précisé qu'on tue le dragon. Le dragon vendredi. Mais il avait pas dit qu'on n'avait pas le droit d'aller dans l'End. Avant vendredi. Avant vendredi.
J'ai confirmé Cédir avec lui, ne vous inquiétez pas, c'est pas une appréciation. J'ai confirmé avec Aurélien. Et lui-même, il a spoil tout à l'heure en live, je crois. Donc, Ah, Aurélien a dit oui, c'est bon, vous pouvez. Donc. Tant que vous tuez pas le dragon. Donc du coup, Stonks. Vas-y, Stonks. Vas-y. Oh voilà. Et let's go. C'est horrible. C'est horrible. J'ai pas de bloc, hein, je préviens. Alors. J'ai pas de bloc, hein, je préviens. Moi je me taille. J'ai pas de bloc, je préviens. J'ai pas de bloc, je préviens. Non, mais c'est bon. Ça craint rien. T'as des blocs? Ah, mais il a des blocs, le boss. T'as des blocs? Tu peux en placer pour faire une plateforme tout en bas? Donc, évidemment. Donc, du coup, l'objectif de cette opération Ardak Moldave, ça va être évidemment d'aller fouiller l'end sans taper le dragon, bien sûr. Alors, évidemment, on n'est pas non plus des raclures. Vous savez, chez Stonk Industries, il y a aussi le côté humain. Bien sûr, l'artisanat local, les gens, les petites voilà. Les petites gens de ce monde. Ouais, t'as mis le truc, enlevez-le. Ouais, mettez-vous sur le truc, je vais enlever la flotte. Vas-y, c'est bon. Il y a le côté humain, donc bien évidemment, le but c'est de ne pas vider l'end. C'est ça. Oh, il y a les gros dragons au-dessus. Il est au-dessus? Ouais, elle est au-dessus, ouais. Par contre, oui, j'ai pris zéro bloc, moi. J'avoue que j'ai été con. Ok, alors est-ce que Ika... Tu peux pas faire un passage vers l'end, vers la plateforme principale quand on a cherché des blocs? Ouais, s'il te plaît. Attends, je suis poussé par la flotte. Ah non, il faut pas. Ici, on est bien. Il faut attendre que la flotte disparaisse. Ouais. Ah, vous inquiétez pas, il y a un business humain qui sera créé. J'ai une glass bottle si on veut prendre le souffle. Ah, j'en ai plein aussi. Ah bah c'est bon, il y a plus le souffle. Non mais ça, on verra plus tard. Ça, j'en ai pas pris parce que je me suis dit on verra plus tard parce que c'est trop... Faut pas aggro dans Norman, hein. Moi, je vous le dis. Là, c'est la sauce ultimax sinon. Oui. Bah non, on est dans l'eau, on risque rien. C'est par contre, ton eau c'est chiant, hein. C'est un peu... Ouais, elle est un peu insupportable ta flotte là. Bah, au pire, mais attends, mais non, mais mets des blocs là, et là. Genre sur les deux, ça va retirer l'eau. Ça va couper l'eau. Non, ouais. Mais Pierre, tu gênes. Non. Voilà. Merci. Non, parce que moi je me suis dit on spawn sur la plateforme et on récupère des blocs, mais du coup, spoiler. Oh, alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez agrandir la plateforme le temps que je construise? Vas-y. Ta fameuse machine. Ok, merci messieurs. Place-moi un bloc. Vas-y, agrandis encore. Voilà. Place-moi un bloc ici, là. Juste un bloc en hauteur. Ah. Voilà, merci. Alors encore une fois. Comment je peux. Alors. Ban. Attends, juste pour repréciser quand même, Aurélien est au courant. Hein. C'est parce que les gens ils sont en mode. Mais Aurélien, il a dit qu'il allait reset le land et tout. Bah. On est au courant. Ah oui, on est au courant. Il a dit, même tout à l'heure, il y a 10 minutes, il l'a dit. Oui, mais lui-même est au courant. Tout le monde est au courant, les gars. Il n'y a aucun problème. Tu le vois pas, toi. Il n'y a aucun c'est problème. Un mec qui spam l'hébergement, c'est casse-couille. Donc, avec c'est un bot ou une connerie comme ça. Donc, oui, tout à fait. Aucun problème, c'est validé. T'as assez de blocs pour faire un chemin jusqu'à l'end là-bas pour récupérer des blocs? Ouais, non, c'est bon, j'ai des blocs. J'en ai que 2 stacks, moi, des blocs. Hein. Ouais, mais c'est juste pour faire un pont là pour là-bas. Ouais, mais tu vas te faire sauter, je pense, si tu vas là-bas. Bah non, si on reste en dessous. Ouais, mais il aggro à 64 blocs. Oui, non, okay, on va pas là-bas. Ok, bon. Ici, normalement, on devrait. On risque rien. Tu veux que j'agrandisse encore un peu ou pas? C'est ça qu'on est. Il est où le con au-dessus là? Putain, elle veut notre. Elle veut notre cul, hein. Un toit. Il tire une boule! Aïe, c'est bon. Si tu montes sur la hauteur, voilà pourquoi il faut faire un toit. C'est bon, j'ai eu Dragon Breath. Ah, le mec qui spam les os, il spam chez moi aussi. Attendez. Comment je fais, Pierre? Je le banne? Ouais, tu bannes. Bah non, quelle vie. Quelle vie, chacal. Ah oui, il y a... Au revoir, chacal. N'hésite pas à aller t'inscrire à Pôle emploi, je pense que t'auras du travail. Peut-être pas du tout. Ou non. Attends, mais faut faire un vrai toit là. Oui. C'est bon, j'ai avalé tout le souffle. C'est bon, normalement. Bon, c'est bon, vous faites un toit, les mecs. C'est bon, le toit est fait. Hein. Merci. Bah, de rien. Un plaisir. Attends, mais il a retiré encore. Non, c'est le tir tout à l'heure. Enfin, c'est le tir qu'a niqué Jimmy. Oui, non, mais ouais, c'est bien que ça se barre. Parce que je peux pas descendre là. C'est bon. Attention. Faut avaler le mint. Alors.
Par contre, vraiment. C'est pas très strong hein, cette plateforme, mais. C'est pas très strong. J'ai vraiment peur. Par contre, j'ai vraiment peur qu'avec ta machine, on se pousse tous et qu'on tombe dans le vide. Hein. Mais c'est pas grave. Par contre, là, Ika. Oui. Bouge de là. Eh, hey, bouge. Bouge de là. Eh, hey, bouge. T'as cru? Ma chaîne petite plateforme de sécurité ici. Au pire, je bait le souffle là aussi. Ok. Y'a plus de blocs en dessous. Y'a plus de blocs au-dessus. J'ai trop peur d'aggro un homme dans ma main, putain, on aurait dû prendre. J'avais pas vu Alps ce qu'il avait dit. Vous avez raison, prenez de l'avance. Ah non, mais je sais qu'il y en a un qui va vendre des trucs, c'est Alps. Regardez bien dans le rétro, je suis déjà là. Mais non, mais on sait que Alps, lui, il est là, et sa vie en dépend. Genre, lui, il est là, et il veut tout faire. Et il a bien raison. Alors, ça marche, Cocody, le bisou, bonne soirée. On a pas pris... Vous avez pas d'obsidienne sur vous? Bah non, je t'ai tout donné, moi. Ok, j'ai oublié, c'est pas grave, on va prendre des blocs, ça sera suffisant. Ah merde, j'ai oublié de prendre... C'est pas grave, c'est pas gênant. Moi, je vais prendre des blocs, ça sera bon. Ok, quelle personne a une seal touch sur lui pour casser? On laisse cette under chest là? Si, si, bah je oui, l'ai, attends, je prends, hop. Ouais, mais tu risques de la perdre après. Hein. Je m'en fous, c'est revient. C'est la fameuse revient. Okay. Ah. Bah, j'en ai une. Vas-y, récupère bon l'under chest et tu me le drop. Hop, tac. Vous avez rien qui craint hein, sur vous? Seul non, truc qui craint, c'est l'under chest que j'ai en réserve, quoi. Ouais, ok, pareil. Montez, montez. Alors faut monter où? Chacun, vous posez pas de bloc, chacun, un à gauche, un à droite sur le bloc de miel. Ok, moi j'aime la. Bon, j'allais dire j'aime la gauche, mais non, je te laisse, vas-y. Je me mets là, c'est attends, bon. Vas-y, permets, tu te mobiles, toi. Alors attends, je vérifie. Attends, j'espère vraiment qu'on va pas se. Sans trop choc. Ils ont pas encore battu l'Ender Dragon. Oui, c'est normal. Parce qu'on le fait vendredi. Tout va bien se passer. On a pas le droit de tuer le dragon. Bah oui, les gars, genre. On respecte les règles. Bah oui, les règles, c'est les règles. Vas-y, mets-toi, voir si on. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Attends, ça peut très mal tourner. On peut y aller. Bon, on ne bouge plus, messieurs. On ne bouge plus. Bouge pas au clavier. Ah. Le clavier ne bouge pas. Ok. Il faut juste espérer. Ok, ok. C'est parti. Par contre, on part pour un voyage. On s'arrête, ça marche comment? Non, 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 on s'arrête pas. Okay, bah si, quand. Bah. Sécurité, c'est le biais de devant, c'est ça? Donc là, on a combien de blocs à faire exactement, Pierre? Ouh, pourquoi ça s'est éclairé d'un coup? Oui, c'est très bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Ouais. Ça spawn une plateforme en derrière, ça a déjà été colonisé. Hein. Pourquoi? Attends, pourquoi d'un coup il y a plus le brouillard? Parce qu'on s'est éloigné de l'île principale. Peut-être que c'est un ouais, bug. Mais pourquoi on la voit comme ça? C'est trop bizarre. Peut-être que c'est un bug. Et là, le dragon il arrive, il nous pas. Faites gaffe de pas regarder des Endermen, hein, parce que je sais pas si on peut les aggro d'ici. Moi, je sais pas, je regarde devant. Je t'avoue que je suis en F5 avec vue derrière et je touche pas et je touche pas à ma souris ni à mon clavier là. Ne bougez pas. Eh, on n'est pas bien là, vers l'infini. Eh, franchement. Je prends un screen. Là. Donc c'est combien? C'est à 1000 blocs hein, les îles volantes. Ouais, on a 1000 blocs à faire. Eh ben c'est parti. Donc en attendant, on va jouer à Red Shadow Legend. On va jouer à Red Shadow Legend en attendant. Eh, petit jeu guesseur en attendant. J'avoue. Oh non. Non. Non, Ika est tombé. Ika est tombé. C'est pas stonk, ça. Ika est tombé. C'est pas grave. Je meurs pour la science. Non mais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as branlé? J'ai pas bougé. En fait, je pense que lui. En fait, je pense qu'il était. Vu qu'il était au niveau de la machine qui pousse derrière, il a dû se prendre. Il y a eu une mauvaise mise à jour et il a été poussé. Alors, Ika, je t'avoue, on pourrait revenir jusqu'à la plateforme. Est-ce qu'on le fait? Non. On est déjà à 300 blocs. Ça va pousser un peu. T'as des blocs, Pierre? T'as des blocs? Viens avec des blocs, j'ai arrêté la machine. Ah oui, j'avoue, il a arrêté la machine. Bien joué. Par contre, tu détruis les blocs derrière toi. Par contre, en fait, ce qui est trop chiant, c'est que j'ai spawn à. Je vais me faire sauter en fait, parce que du coup, on a mis le lit et c'est trop chiant. Je peux pas rentrer là-bas sans me faire enculer là. Mais t'as pas un under chest? Non. Bah non, je suis mort. Ah ouais. Je peux revenir, hein. C'est risqué parce qu'il y a des endermen, mais je peux revenir. Par contre, je sais pas comment l'arrêter. Non, mais t'inquiète, c'est bon, là, je suis à la base. Hein. Si je peux l'arrêter dans l'autre sens. Non, je peux pas l'arrêter dans. Non, faut pas que je fasse cette connerie. Qu'est-ce que moi on peut faire ça, rentrer à la base. Hein. Mais même avec le slow falling, ça a changé rien. C'était adios. Et là c'était foutu, hein. Là c'était à moins d'avoir une Elytra. Ah, tu pouvais Enderpearl, mais Enderpearl. Ouais, mais j'Enderpearl sur rien là. Enfin, j'allais juste glitch la machine, je pense. Et... Alors, du coup, t'as combien? Prends 5 stacks de blocs? Prends un peu plus, 6, 7 stacks. Ouais. On peut même pas sauter. Mais par contre, faudrait que tu les détruises derrière, faut pas laisser le chemin.
Ok. Ah, donc il faut une pioche. Ouais. Ouais. Bon bah, en attendant que ça se fasse. En attendant qu'Ika nous rattrape. Ah, je l'ai pas fait réversible. Ouais, c'est le problème, on a pas pensé. Mais là, c'est un bug total du jeu, genre là, on pouvait rien faire. Hein. Parce que Ika, il a été poussé comme si il était sur un bloc de slime. En fait, il était un peu trop et c'est le slime qui l'a bumpé. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que ça risque de se reproduire. Hein. Oui, mais je sais bien. C'est bien le problème. Il y a un moyen de pas que ça se reproduise ? Non. Je vous ai dit okay. Que c'est un peu glitch. Ça peut glitcher en effet. J'aurais dû peut-être faire full bloc de miel. Ah ouais, j'étais con. Ah si, tu peux me ramener des blocs de miel ? Ça se grave comment ? Tu prends des bottles of... Il y en a dans le coffre. Attends, mais j'en ai... Combien j'en ai ? J'en avais 7. 1, 2, 3, 4. C'est bon, attends. Jimmy, t'as toujours ta pioche ? Oui. Toujours. Ah non, il m'en manque. Vas-y, récupère le chest. Cache juste ouais, le chest. J'arrive. Hop. Il m'en manque. Tu prends des bottles of miel et tu les craftes. Tu mets 4 bottles. Tu mets 4 bottles. Hein. Bon, tu la récupères. Hop. Tiens. Tu mets 4 bottles, tu sais, en... comme une table de craft. Ouais. J'ai le bloc de miel. C'est moi qui l'ai récupéré. Ouais. Tu m'en amènes 3. Et je peux peut-être éviter le souci. Hop. Alors. Bon bah ça c'est bon. Je sais d'où vient le souci, effectivement, j'avais pas pensé. Attends. Oui c'est bon, il conduit pas. Le souci c'est qu'en fait c'est des blocs de slime derrière, j'ai utilisé des blocs de slime, sauf que le bloc de slime il fait un peu plus. Enfin il fait un bloc là où le bloc de miel fait un peu moins d'un bloc. Mmh. Et donc du coup quand t'as collé contre le truc, quand le bloc de slime a bougé, ça t'a propulsé. Logique. Dans l'eau, je pense qu'il faut qu'on sneak en perma. Faut juste de l'eau et j'arrive. Bah sneak justement je pense que ça va causer des problèmes. Là ça peut vraiment causer des problèmes par contre de sneak. Non parce qu'on colle au miel. Mais bon là de toute façon en remplaçant avec des blocs de miel on n'aura pas de problème. Ok. Alors où est-ce que je suis moi? Et en dessous c'est le piston. Ok la D105. Ok ça. Ah je suis déjà en train d'en faire un. Les impôts en attendant, allez hop les impôts. Je suis déjà en train d'en faire un moi. C'est vrai? Ah oui. J'ai fait un géoguesseur, j'ai mis un petit texte, on attend Ika. Puis voilà. Attends, géoguesseur. On fait un 30 secondes? Mais là, j'arrive dans l'aide, là. Hein. Je suis là. Hein. Mais je sais que ça va être rapide, c'est pour ça que j'ai lancé un petit truc. Oh, bah tiens, disons que c'est une ville connue, ça. Hop. Là. Ah, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de heal, par contre. Moi, c'est pas grave, je me démerderai. Le emote only. Ah, aimez-le. C'est parfait. Non, attends. Oh, Hero of the Village. Nice. Disait comme ça. Il a fait un raid. Bien joué, Abel. Donc du coup, ouais, on va pas non plus piller toutes les forteresses, hein, parce que faut que tout le monde, quand on fait l'event dragon, tout le monde puisse en profiter. Bien sûr. Donc c'est juste, on va juste essayer de choper. L'idée, c'est après, pas en vrai, faire de après en vrai, c'est pas bête. Hein, il pourrait, enfin, Aurélien pourrait reset le land comme ça au moins. Ouais. On serait juste les boss et. Faut que tu retires les blocs en passant. On serait juste les boss. Mais sauf que demain, d'autres personnes le feraient. Ah bah écoute, après. Non, retire pas les blocs, t'emmerde pas. De toute façon, pire, on fait la machine plus haute pour rentrer. Enfin, de toute façon, on rentre pas par la machine donc. Mais on rentre pas de toute façon. Oui, c'est pour ça. C'est un aller simple. Hein, mais... voilà. Ok. Juste, tu ne marcheras pas. Alors, marcher si ça y a pas de problème, mais tu ne places pas de blocs sur les observeurs. Hein. Ouais. Mais non, le reset aux F, on va juste trouver. Et en plus, de toute façon, j'ai aucune idée quel sera le premier portail qui ouvrira, mais à mon avis, là où on va, il y a une chance sur 16 pour qu'en fait. Après, ils vont. C'est ce qu'ils vont faire, je crois, le joueur du dragon. C'est on va faire plusieurs resets de dragon pour qu'on ait plein de portails différents. Pour qu'on ouais, ça partira partout. Quoi. Ah, nice. Après, nous, bon. Normalement, on aura des élytras. Ouais. Nous, on sera déjà en élytras en fait. Bah, on partira loin, comme ça, on laisse les autres tranquilles. Et, la concurrence sera dans le rétro déjà. Je ferai une ou deux forteresses. Oui, ça. Est-ce que je vous vois? Oh, je vous vois, les amis, j'arrive. T'as pas des torches? Oh, ouais, ça va aussi. Hein. Bah, c'était pour éclairer pour pas que ça respawn. J'en ai des torches. Ah, t'aurais dû prendre des dalles. Mais j'en ai des torches, moi. Ouais, mais je vais pas te demander. J'ai pris celle dans le coffre. Hein. Merci Darkness. Là. Bien que j'ai vendu mon corps. Ici, 1 km, pas du tout.
Je vais trop vite. Bref. Donc voilà, comme d'habitude, on respecte les règles. Vous savez, l'éthique avant tout chez Stonks Industries. Regardez, il est là. Alors, il y a tous les Endermen qui spawnent au fur et à mesure. Tu les vois derrière? C'est trop, oui, c'est trop marrant, ils font poup poup poup. A chaque fois, il y en a. Hop, attention, il y en a qui vont spawn bientôt dans poup. 3. Oh, bah non. Ika le bleu dieu. Avant de monter sur la plateforme, balance-moi les. Ouais, monte en hauteur, monte en hauteur. Et bah, monte, monte. Rebondis, rebondis, vas-y, monte, monte. Encore, encore. Allez, allez, le meilleur saut de ta vie. Bien joué. Ok, place-moi les blocs de miel. Du coup, attends, on retire ça, Pierre, ou pas? Les blocs de terre, on les retire ou pas? Ah, recule un peu. Non, non, pour l'instant, tu touches rien. Pardon. Bordel, recule encore un peu. Mais ah! J'en veux pas de vos blocs. Ah! Mais, recule, Jim. Je peux pas reculer. Mais recule, là, recule, sur moi. Voilà, là c'est bon normalement. Putain. Recule encore. Ça va dire plus loin, c'est un effort. Fais un effort. Non mais, pour ma défense, alors, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Hein. Tu m'as dit lancer plus loin, je les ai lancés plus loin, connard. Bah, pardon. Avancez. Avancez comment? Ah mais attends. Pourquoi je passe moi encore? Ne regardez pas derrière, il y a plein d'Endermen. On regarde devant, vas-y, retire ton bloc de... Ok. Et donc là, normalement, c'est bon. Ok. Oui. Zéro Marty. Zéro Marty. Là, il y a plus de risque que je tombe, là, non? Par contre, vous voyez, je bouge pas, alors vous, vous bougez. Ah, quoi, mais j'ai peur qu'on glisse à travers le bloc. Tu veux pas mettre deux blocs devant nous, Pierre? Je peux pas, on est en max. Ah oui, merde, d'accord, oui. C'est une voiture 3 places, y'a pas oui, plus. C'est vrai, c'est une petite Lada. Et je suis obligé de garder le bloc en miel en plus si on a besoin d'arrêter la machine. Alors, nous sommes. En vrai, je vais équiper mon Under Pearl, comme ça, si je tombe, je tenterai un truc. Que je raterai, évidemment. C'est vrai que c'est pas con. Mais le gameplay sera beau. Ouais, j'ai trop peur de faire un clic droit. Je suis resté comme ça en vrai parce que. Moi je touche plus rien, hein. J'ai plus la main sur la souris sur le clavier. Hein. Ah ouais, non mais pareil. Moi je suis mort. Comment tu devrais plus te faire propulser là? Non, vraiment. Moi j'ai encore repris. Et on a bientôt fait la moitié du chemin. T'es vrai? Nice. Il reste encore une pioche en diams qui était usée, puis une pelle en diams usée, donc du coup j'ai récupéré ça. Stonks? Et là, il y a un reboot de serveur. Oh bah, ah bah là, Aurélien, il va nous entendre parler. Hein. Alors, non. Oh, il y a un lag. Ah ouais, non, mais par oui, contre. Oui, la connexion de mec. Faudrait qu'on demande aux gens d'arrêter de bouger, s'ils veulent bien, et de plus rien faire pendant 10 minutes. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire, quoi? Vas-y, soit on vend les Elytra. Un stack non, de diam. Oh non, il faut flexer avec. Évidemment. Vous êtes débile à faire ça, sérieux, même pas attendre les autres, honteux de votre part. Hein. Mais les autres peuvent le faire, en fait. Alors. C'est ça le truc. Alors, au cas où. Hein, pour les autres pour le dragon, en fait. Hein. Non, mais. C'est tout à fait, pour les 2-3 personnes qui ont pas suivi, Aurélien a dit qu'on on devait attendre pour tuer le dragon. Mais à aucun moment il a dit qu'on n'avait pas le droit d'aller dans l'end. Et il nous l'a confirmé. Et il l'a dit en live. Tout est validé. Le chef a validé tout. Genre. Donc si vous râlez encore, c'est qu'il y a un problème chez vous, les gars. Et de toute façon, j'ai dit. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Chérie, t'enlèves les modes de lit. On arrive bientôt à destination. Plus que 350 blocs. Faut savoir faire une machine volante. Non, on peut y aller en bulle aussi. Les gens, s'ils veulent, ils prennent 20 stacks de blocs et puis ils y vont. Oh, faut que tu sois motivé. Ne provoquons pas Alps. C'est quoi mon code Tesla? Point d'exclamation Tesla. Tu l'auras. Voilà. Emmerich 5385. N'hésite pas, ça me fera des kilomètres gratuits. Too late, mais il y est déjà. Il y est déjà? Ramasse pas toutes les élytras par contre, Alps. Hein. Mais c'est bien de comprendre. Aspect dans l'aine. Mais alors, on vend des livres. Mais ça fait que nous copier, bordel, mais. On peut pas avoir une personnalité, ces joueurs de ce serveur.
C'est pas possible ça, hein. Ça veut, ça fait veut, des. Il veut son prix pour. Il veut qu'on lui en récupère une. S'il veut. Vas-y Alps. Combien? Ah, c'est son prix de vente. À combien il les vend? Pour les vendre cher. Putain, c'est chiant les gens qui s'inspirent de toi à chaque fois. Aïe 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 aïe. Il nous reste 200. Est-ce qu'on a une terre en... Oh, terre en vue! Terre en vue! Quoi? Ah oui! Au loin à gauche! Comment? Je le vois pas moi. À gauche, ne bouge pas trop hein. Et je sais, mais ah si c'est bon. Si c'est bon, je vois la bouboule. Je vois la bouboule de. J'ai pas vu la bouboule noire de loin. Alps. Non, il a. 5 diams par Elytra, parce qu'on a Elytra, elle est moins chère qu'une 3 Soul Cœur quoi. 5 diams par Elytra, ouais, c'est un prix correct, franchement. Oh, je lui laisse les récolter. Mais c'est le pro Alps, ça, je sais pour récolter les Elytra. Ah oui, c'est son métier. Mais Alps, il devrait vendre ça, les Elytra et la Netherite. Et les... Oh, oh putain de merde. Ça m'a avancé sur le bloc d'avant, de devant. Oh bordel de mort. Alors si on a assez de blocs, si vous voulez, on peut bridge d'ici, mais... Non, non, mais on va attendre. Faut qu'on... Attends qu'on soit le plus près possible. 5 stacks de blocs. Attendez qu'on soit le plus proche possible. Enfin là, si je me vois là, je reviens pas, les gars. J'ai le tough qui attend. Mais Alps, ouais, il devrait vendre des beacons aussi. Voulez-vous repositionner sur la machine? On l'arrête, on la redémarre? Je pense en vrai, on l'arrête, on part à gauche. Hein. On va sur l'île de gauche. Hein. En vrai, oh, on est. J'ai pas envie de green en vrai, genre, je pense. C'est surtout qu'à la génération, s'il y a une forteresse qui se génère, oui, c'est ouais, pas. C'est ça le problème. Là, il y a les Endermen. Ouais, ouais, arrête là. Parce que là, les Endermen ils commencent à spawn et tout, là, ça peut être dangereux. Ouh. Ok. C'est moi, ok. J'ai préparé mon shop en solo, Elytra, Shell, Beacon et Nether. Bah, c'est parfait! Bon, c'était une bonne saison du coup. Hein. C'était une bonne saison. Rare. En vrai, par contre, les Shulker Shell, ouais, ça, je pense que là-dessus, il a moyen de se faire des couilles en or. Mais faut qu'on mette le data pack, c'est ça? Pour qu'il y en ait plus. Mais je sais pas si le data pack est en place. Attends, je m'écarte si tu veux build. Pourquoi moi? J'ai pas de bloc. Bah, parce que t'es sur le bloc sur lequel on peut build. C'est ça. Vous pouvez bloc sur le miel. Vous pouvez bloc sur le miel là. Hop, voilà. Je peux même pas sauter sur le miel en plus. Je vais tellement. Ma touche contrôle elle va claquer. Je pense que mon doigt, je vais avoir une tendinite. En fait, c'est même pas qu'on a peur de perdre de stuff parce qu'on a pas de stuff, mais c'est juste que. Bah, c'est juste que tout le chemin qu'on a fait, j'ai aucune envie de le refaire. Genre, c'est. Les galeries, l'Alps, Fayette. Et juste, ça pourrait. Des bonnes idées. Oui, Jimmy? Non, rien, je commence à avoir mal au doigt alors que j'ai à peine commencé, mais c'est parce que mon doigt était mal placé. Je sens la transpiration, je vois les gouttes. Mais oui, non mais c'est horrible parce que vraiment c'est genre là, les. Il faudrait que je sois avec le ballon client et que je twerk. Tu sais que les... vraiment les Elytra moi ça me débloque tout hein, j'aime trop les Elytra moi. Ça me débloque mon gameplay moi. On va ouais ça va être trop bien. Bon faut foutre quoi, mending, unbreaking dessus. On a hop. Des je tourne maintenant ou je continue tout droit encore? Continue un peu. Mais putain mais je suis tendu mais comme un string, c'est incroyable. Le stuff que j'ai là, je m'en fous quoi. J'ai les mains moites alors que je build. Mais oui, j'ai les mains. Je crois que je vais mettre la. Ah non, quoi que là, copyright. J'allais dire, je veux la musique de Mission Impossible, mais non, je pense que c'est copyright. En vrai, ouais, est-ce qu'on tourne maintenant? Avance encore. On va monter le long là-bas. Maintenant, on va trouver une forteresse. Hein. Après, je fais mon schlag, je lance une Enderpearl, je vous laisse là. Allez, bisous. Ouais, et si ton Enderpearl tape un Enderman dans mon pari, eh ben écoute. Eh ben bisous. J'ai bientôt plus de blocs, Ika. Hein. Des pumpkins, mais bon. Oui, c'est pas grave. Ika, j'ai bientôt plus de blocs. Ouais, bah t'inquiète. Faut que tu prennes le relais. De toute façon, niveau boutique, on a une boutique pour l'instant, donc on. Fini. C'est pas faire des boutiques tous les deux jours en fait. Balance des blocs, Ika, balance des blocs. Parce que pas qu'on se pousse sur le bord, ça va être trop dangereux. Vas-y, balance ton bloc. Donc on fera une boutique bien plus tard. On a déjà notre concurrence en notre boutique, donc il faut qu'on étudie un peu le marché. Mets l'option toggle sneak. Calmez-vous. Je préfère largement faire à ma façon, celle que je fais depuis bientôt 10 ans. Je sais qu'il y a un con qui va regarder un Enderman à un moment, je le sais. Bah ça peut pas être moi parce que je suis en train de build. Si
coup on ferme les yeux et d'un coup on nos agro pas. Donc pour l'instant en business on a... Après rien n'empêche les gens parce que par exemple je prends les cas de Zanzag qui fait une... qui a fait une petite caravane Hog Boomer. Mm-hmm. Et qui vend tout ce qui est explosif. Mais rien n'empêche par exemple... Oh putain, regardez pas derrière. Si certains veulent de fournir la... Bien sûr. En fait, les boutiques c'est pour vendre, mais rien n'empêche les gens d'être fournisseurs. Putain. À allez. D'autres personnes. S'ils veulent pas faire une boutique, vous voyez ce que je veux dire? Il faut des fournisseurs. Oui, ouh. Ok. Et maintenant, et maintenant on monte. Alors il faut qu'on trouve 3 forteresses. Hein. Ah bah plus même. Hein. On part dans 3 directions différentes. Oh, j'ai fait la grande maintenant. Vous inquiétez pas, j'ai pris ce qu'il faut pour les élytras après. Hein. J'ai le papier, j'ai la gunpowder. Ah, tu pourras nous... Bah non, de toute façon on est obligé de se suicider pour sortir. Oui non mais je sais, mais même pour se déplacer, ça sera plus simple. Par contre moi j'ai pas de heal moi du coup. T'as pas deux? De heal hein. Tiens, ah, je sais pas si j'en ai mis un. J'en ai un petit peu dans mon under chest mais pas beaucoup. Hein. Nice. Ah, okay. Oh putain, oh putain. Ok, à partir de maintenant... On ferme ah oui, les yeux. Mais toi, ça t'a pas suffi d'être au bord de la mort pendant 10 minutes. Ouh, les petits lags. Oh, bon. C'est tellement long. En tout cas, l'opération Anak Modav a réussi. Bravo, messieurs. Maintenant, nous passons à l'opération au plan B, extraction du matériel. Heureusement que ça t'a éjecté au tout début et pas à la fin. Ouais, c'est ça. J'aurais arraché de mec. Hein. Terre en vue, boing. J'aurais pris ma pelle, j'aurais mis les 20 stacks, je serais venu à patron. C'est bon, voilà. Messieurs, nous y sommes. Alors, premier truc, moi je prends des chorus. Hein, parce que oui. Bah, déjà, première chose, je remets mon stuff. Voilà. Ça, en vrai, j'en ai rien à foutre. Hop, est-ce que voilà. Tu veux vraiment remettre ton stuff avec. Oui, parce que si. Oui, parce que clairement, je préfère avoir mon stuff maintenant plutôt que. Putain, tu veux tout mettre là? Bah, au moins ça quoi. Bon, oh, puis j'irai farmer de la netherite. De toute façon, si je meurs, je m'en fous. Allez. C'est bon, vrai. Là... Est-ce qu'on n'est pas des stonkers? Voilà, on est stonkers, on est fou. On est stonk, ça se fait. Petite fortune. Hein. Moi, c'est surtout que voilà, pour prendre de quoi me défendre, c'est plus important. Oui, je plus sois. Le petit arc infini. J'ai pas pris de flèche. Tiens, Ika, je pense à toi. Ah, quel boss. Peut-être garder l'armure en. L'arc pour l'instant ouais, sert à rien, mais. Oui, mais bah, contre les shulkers. Tu me dis quand t'es bon, Ika. Je pète le. Non, la note chapel, je prends pas. Non, faut que vous mettez pas. On va voir si le. Ah, on aurait dû faire des gaps, j'avoue, merde, on aurait dû faire des gaps. Ouais. Tu peux vendre les têtes de dragon. Ouais, mais c'est pas utile. Du coup, on fait quoi? On se sépare là? Je sais pas si c'est vraiment utile qu'on reste tous ensemble. On peut les replanter, hein. Ouais. Ouais, mais il faut les flowers. Hein. C'est les têtes que tu dois prendre en fait. C'est les terres, ouais. C'est les terres. Ah, c'est les têtes. Donc faut que je prenne une tête. Mais on est obligé de la prendre à la pioche, non? Non, moi j'ai pris la hache. Là. Moi je suis parti, les gars. À la hache, je veux dire. Non, c'est bon, j'ai eu. Ouais, bah t'es parti quelle direction? Il y a 3 directions. Direction nord. Hein. Direction nord. Moi je pars est, Ika par sud. Il y a un truc sud, hein. Oui, il y aura. Enfin, sud un peu orienté. Ouais. Ouais. De toute façon, attends, j'ai pas mon underchest par contre du coup. Enfin, j'ai pas d'underchest du coup. Ah. Pour poser mon stuff. Hein. Donc en fait, faut que je reste avec quelqu'un quoi. Non, tu peux en trouver. Tiens, tu veux prendre de ton underchest, tu t'en trouves dans la forteresse. Non, mais ouais, au cas, oui. Tu restes avec quelqu'un pour l'instant et dès que tu trouves un underchest dans, dans une forteresse. Et on se split après. C'est parti pour le meilleur truc dans Minecraft, visiter l'end. J'aime trop. Bon. C'est mon petit bonheur, l'end. Bah, on part ensemble, Ika, on en fait tout. Genre. Ah oui. Peut-être apprendre un truc. Alors, si tu tires à l'arc sur une. J'avoue. Poros, ça drop. Ah bon? Ah oui, on savait. Je savais pas. Vas-y, mais c'est trop de choses, ce mec, c'est insupportable. Je savais pas ça. Ça fonctionne aussi avec un trident. Hein. Ouais, mais alors le trident dans l'end, c'est non. Ça, c'est un peu. C'est un peu dangereux, ouais. Mais c'est énorme. Merci pour cette info. Il y a trop d'endermen. Ah, il m'a dit quoi, Dil? À noter que ça fonctionne. C'est... Ah oui, non. Ouais, rip fourchette, hein, ma fameuse fourchette. Bah, reviendra. Bah, pourquoi y'en a qu'un qui a droppé? Ah non, deux. Hein? Deux? J'en ai que deux? Il a droppé où l'autre? Là. Par contre, ils sont chiants les Endermen, hein. Mmh. Bon, c'est bon, j'ai eu quelques. On va peut-être vendre du chorus, hein.
Après, il faut les planter forcément sur l'endzone, non? Ouais. Ouais, ça, d'ailleurs, faut prendre un ça, peu. Ça, tu prends, t'en prends un petit peu, tu mets dans, dans ton ender chest. Bon, pas de forteresse pour l'instant. Hein. Oui, je sais, le ballon client est dispo, mais c'est juste là, j'avais pas d'éco reco juste pour flexer et mourir dans le vide, quoi. Elle a combien la render distance du serveur déjà? 14? 14, elle est loin. Ok, bah je vais augmenter un peu du coup. Ah, je regarde vers le bas. Hein. Bah, le mieux c'est d'avancer en F5 avec tête en bas. Ouais. Oh non, parce que je suis tombé dans un trou, j'ai pas l'habitude. Eh non, mais. Au secours. Je pense à prendre des coffres en bois pour lâcher le cœur. Oh bah, c'est bête, j'ai oublié de faire des coffres en bois. Oh là là, vraiment, je suis bête. Hein. Vous me fatiguez. En Enderpearl ? Vous me fatiguez. J'ai pas fait Featherfalling après. Je crois pas faire non plus, mais. Je crois que ça passe en face. Ah oui, ça passe large. Ouais, un cœur, c'est ok. Un nick, hein. Ah, c'est tout. Si tu fixes du regard un Enderman en colère, il se calme. Ah, ça, je reconnais, ça s'appelle une info chat. Oui. Combien tu regardes du foot dans l'Enderman? 1000 balles, maintenant. Et pas 1000 bits, hein, 1000 balles. C'est 100 000 bits. Voilà, c'est 100 000 bits d'un coup. Donc à vous de voir. Ah, il n'en fait pas rien. Si vous voulez du fun, du délire, ben vous envoyez 1000 balles. Sinon, dommage. Ah, il y a un petit truc, Pierre, en haut. Oh, est-ce qu'il y a un bateau? Dis-moi que ça y est, c'est mon Elytra. Moi, j'ai juste un Ender Chest pour l'instant. Oh, t'inquiète pas que Pierre, il comptait pas te la donner, l'Elytra. Hein. Oui, non mais. Oh, mon Elytra! Il y a le bateau. Il y a le bateau. Non, mais j'ai un chat devant le de l'écran là. Ah, je crois que c'est le bateau, ça. Oui, ah, oui, c'est le bateau derrière. C'est beaucoup 100 000 bits. Bah, hey! Hey, oh! Attends. C'est pas stonks, hein. Bah, les gars, je vais quand même pas vendre mon fion pour 10 balles non plus. Ça va aussi. Ah, ton fion, il vaut cher quand même. Hein. Ah, bah, hey. Bah, 1000 balles, ça va. Tu sais, au tarif de l'industrie du prompt, c'est pas oui, mais c'est pas du prompt là, c'est, me payer pour que je me suicide, donc je t'avoue que autant payer ça cher. J'ai pas de bouclier, j'en connais. Ah, j'envoie une aussi, une forteresse. Mais elle est toute petite. Dommage. De toute façon, on fait chacun une forteresse. Le truc, c'est que moi, genre, je fais. Le truc, c'est que moi, je fais. Ah, y'a un bateau, yes! Elle est minuscule, mais y'a un bateau. Ok, donc il restera plus qu'un bateau. Oh là 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 là! Ah bah, je vais pouvoir faire directement les fusées. Let's go en fait. Par contre j'ai trop de chance, hein. C'est la plus petite forteresse possible, il y a un bateau. T'as un petit touch, Pierre, d'ailleurs, pour récupérer le... Oui, c'est pour ça que je t'accompagne. Oh, c'est stonks. Tu sais que c'est le plan cul ici, hein. Oh, bon, c'est passe par dehors. Stonks. Ouais. J'adore. Ah. J'adore le stonks. Au revoir. Non mais c'est bon, j'ai un bouclier. Hop là, directement ça part sur des shulkers. Oh, j'ai la tête de shulker, let's go. Trop bien. Je crois qu'il y a drop, un gros top drop. Bah par contre t'as un flow, hein. Quand t'as ça sur la tête, t'as un giga flow. Hein. Oh là là, énorme. Prends la tête de dragon. Ah merci les gars, merci de m'apprendre à jouer. T'as pas que je me refais shooter, moi. Vous me faites rire. Vous me faites trop rire, vous êtes trop mignon. Ok. Oh, je suis en haut, Pierre. Attends, parce que j'ai tué les shulkers, ça m'a se droppé. Hop. Y'a pas d'Ender Chest. Hein. Ah oui, tape-moi. Oui, vas-y, touche-moi, mon gars, touche-moi, vas-y. Ouais, je prends la grosse, t'inquiète. Allô ? Yes ! Je reviens dans pas longtemps. Ah, j'ai assez de lévitation. Aïe, ça fait mal par contre. Ça fait mal. Non, arrêtez, messieurs. D'ailleurs, le data pack, vu la quantité droppée, je suis pas sûr. Tuto, si vous voulez ne plus voler. Hop. Voilà. Oh, ils font mal. Ils font mal, sa mère. Aïe. T'en sors, Pierre? Ouais, JMLG, tout ça. On a une à l'extérieur et ça passe à travers, c'est un peu bizarre. Voilà, nickel. Il y a une shulker shell à ta droite là. Ouais. Oh, les petites shulker box, ça va. Vas-y, souvent, ça sent. BAM! Ouais, oh, d'ailleurs, le data pack, j'en ai beaucoup. Ladies and gentlemen, here we are! Sky's the limit! God damn! Hop là! Pelle Efficiency Cat Mending en plus. Ça, c'est dans la pocket.
Attends, je vais... Oh, le pantalon protection 4. Oh. Donc on est en netherrythme. Hein. Bah non, moi je l'ai pas en netherrythme. Justement. Un plastron, mais par contre tes élytras m'amènent. Genre, ah, j'aurais dû prendre un broken breaking. Ah, c'est dommage, j'aurais dû faire ça, j'avoue. Même un mending, ouais, genre ça m'aurait été assez utile. Ouais. Ah, quel con. On va prendre une petite popo. Ah, nice. Eh bah écoutez, maintenant... I4, qu'est-ce que tu fais? C'est l'heure de bosser. Ouais, je prends le coffre. Attends. Ouais. Ah bah tiens, coucou. Bonjour. Toi, y'a quoi du coup? J'ai pas encore les prendre quoi. J'ai pris les premiers, mais j'ai pas pris ceux-là. Et avec quoi? Ah tiens, t'as un Ender Chest ici. Ouais. T'as premier, avec de l'or et des trucs en diamant de merde. Ouais, truc pas ouf. Ouais, bah là, y'a de la merde. Je te prends ton... Ouais, on va peut-être les buter. Oh là là, les cheveux. Oh, les shulker box. Oh. Si tu veux du coup partir, ah, nice. Moi je vais finir bonheur. De prendre le truc, si tu veux partir trouver une autre. Ouais. Hop, comme ça je sécurise ça. Ok. Tac, ça part là-dedans, ça. Merci. Celui-là, je vais le récupérer. What? T'as vu, elle passe à travers certaines, c'est trop bizarre. Ah, je l'ai pas vu, moi. Je sais pas. Oui, toi, tu sors comme ça. Voilà. Oui, bah, je me TP en bas, moi. Bah, tu manges un chorus? Ouais. Oh, putain, j'ai été TP dedans. Ah! Y'a rien d'autre ici à prendre. Ah, si, on a pas fait les. Prends une flèche. Ah, putain, mais j'ai posé toutes mes flèches. Quel con. En effet, bien vu. Ah bah voilà. Très bien ça. Nickel. Eh ben, on peut péter ça. Ah, juste ranger ça d'abord. Il y a des popos de huile. Arrête. Mais je viens d'arriver dans le bateau, commencez pas à m'emmerder. Attends, j'ai mon eau avait disparu mais... Mais vous êtes tellement insupportable. Mais... Ah c'est Twitch hein. Ah mais c'est fou, genre ils sont en mode mais les potions d'huile, mais j'y ai pas encore touché à l'alambic. Attendez un peu. Mais prends-le, connard, mais c'est pas vrai. Mais putain, Jimmy. Putain, mais il est trop nul, ce streamer. Ah, il y avait un autre Ender Chest ici, gars. Oh, t'inquiète, hein. Putain, mais au dernier coup, à chaque fois, elle se TP, là. Pour les échelles, arrêtez de m'emmerder. Laissez-moi jouer. Voilà. Évidemment, parce que on fait pas les choses à moitié ici. Chez Stonks Industries, on fait pas les choses à moitié. Et j'en ai marre qu'ils se TP ces trucs. Mais comment je le pose déjà? Ouais, comme ça. Voilà. Vu que chez nous, on fait pas les choses à moitié. Ça vient. Oh oui. Hop là. Tête de l'Ender Dragon. C'est dans la pocket, bien sûr. Bref. Et maintenant. Eh bah, ben, ça vole en Elytra directement. Oui! Ah oh oui, cadeau. Quel bonheur. Ça va faire vraiment plaisir. Oui. Ah, je suis un homme heureux. Oui. T'as pris feu d'artifice hein. Ouais. Ah. Eh oui, j'ai des feux d'artifice moi monsieur. Mais qu'il attaque c'est 100% des gunpowder. Oui. Bah tu l'as quand t'as demandé où étaient les gunpowder, t'inquiète pas que dans ma tête c'était déjà clair hein. Dans ma tête c'était déjà bon. Faut qu'on fasse une usine à gunpowder pour pouvoir servir de ça maintenant. Ouais. Par contre, ça a du mal à charger. Il ouais, y a rien en fait. Par contre, c'est un peu de mal à charger. Hein. Faut pas aller trop vite. Hein. Mais t'es dans l'Overworld là? Bah non, mais. Ah, non. Dans l'End. Pourquoi tu. Mais t'es. Tu aimes le danger? C'est-à-dire? Pourquoi tu restes dans l'End? Mais parce que je crois vraiment que je vais prendre une Elytra, mais il est fou lui. Hein. T'en prends plusieurs? Bah. Faut des réserves. On les prendra à l'Event Dragon. Mais je m'en fous. Je veux au moins une assurance. Mais sur un coup, tu vas pas la perdre de toute façon après quand t'es rentré. Chut. Prends pas tout quand même. Bah, prends pas tout, écoute, si vous voulez des trucs, vous avez qu'à venir avant. J'ai un peu peur là quand même. Bah, attends, je sais que je suis safe, hein, de toute façon, j'ai mes feux d'artifice et tout. À part si y a une grosse île qui spawn devant moi. Ah, oh, putain, je suis un cul de sac, c'est trop chiant. On va revenir derrière. T'as des élytras toi les gars? Ah non du tout. Eh bah voilà, bah justement, bah... Faut en trouver pour Ika aussi.
J'ai un pote Shulker Shell. Oui, tout à fait. Moi j'ai déjà une Shulker en fait. J'ai une Shulker et puis des Elytra en fait, j'ai déjà tout fait. Merci Docteur Nem. Mais Alp, s'il les a pas ce truc là, alors. Hop. Les gars, ça s'use vite. Ah, merci les gars, ouais, c'est vrai que je viens de commencer le jeu, merci pour vos infos. Mm. Ça fait giga plaise. Bim. Ah, protection 4, mending sur le pantalon. Ah, mending sharpness 4, smite 4. Ça va, le stuff est pas broken, hein. Ouais, le stuff est assez sympa, ouais. Oh, tu sens par contre qu'on génère, hein, parce que ça met du temps à recharger. Ouais, non, mais c'est. Ouais, ouais. C'est légal. Comment ça, c'est pas légal? Nous avons consulté nos avocats. Et le gérant de. Maître Samafrit a confirmé la légalité. De cet acte. De l'opération. Vous connaissez pas Maître Samafrit? Mmh. Non, je connais pas du tout, moi, je connais pas le lore. Un dragon, quel dragon? Ouais, il est doucement. Bon bah, nickel! Venez le faire, il faut une poche en pierre, oublie pas. Merci les gars. Boum, advancement! Bon bah, moi c'est bon, hein, j'ai tout fait. Moi je vais me fier qu'à une seule élytra. Je vais peut-être récupérer. Ouais, mais moi justement, je vais essayer d'en trouver pour Ika quand même. Ouais, s'il a du mal à en trouver, t'as raison. Bah, vu que j'ai les fusées en plus. Bah, moi j'ai les fusées en plus, donc. Oula! Ah oui, ça, oula, oh, ça va bien. 4, je vais la garder, tout ça on va garder. Souffle du dragon, on pourra tenter d'en prendre un peu plus. L'idée du souffle du dragon, c'est pas de faire des potions, mais si on trouve un Wandering Trader qui fait le fameux casque. Le trade magique. Ouais, mais autant pré-shot les potions parce que s'il est pop. Ouais, on va les pré-shot les... Ouais, pré-shot 3 quoi. Là, le serveur, on le met en PLS là. Il faut faire une vision normalement. Ouais, ok. Je prends des fleurs de chorus ou pas ou... Oui, je pourrais faire une shulker box, mais ouais, prends quelques-unes, mais j'ai pas besoin là. Je vais juste récolter un peu pour faire quelques shulkers. De toute façon, après, c'est bien, le datapack est bien en marche. De toute façon, après, on achètera chez Alps, je pense. Seulement 180. Parce qu'il faut quand même. Ouais. Vous savez, chez Stonks, on aime la concurrence. Et on va quand même acheter chez nos. Bien chez sûr. Les concurrents. Nous achetons chez la concurrence. Pour une raison toute simple. Pour une raison si simple. Si jamais la concurrence n'a pas d'argent, ils ne peuvent plus acheter chez nous. Évidemment. C'est ce qu'on appelle le cercle vertueux de l'économie. C'est-à-dire qu'on utilise l'argent de Stonks Industries chez la concurrence pour que la concurrence réutilise l'argent de Stonks Industries. La concurrence. Cher. Putain, j'ai plus l'habitude de voler, moi. Bon, c'est vrai que j'y vais doucement parce que là, l'end il a vraiment beaucoup de mal à charger. Par contre, vendredi, ça va être un enfer le serveur. Si tout le monde charge dans tous les côtés. Il faudrait demander à ce qu'il pré-gêne éventuellement. Oui, parce que là, vraiment, je te jure que c'est dur. Des blocs de l'end aussi. J'en ai, ils sont dans mon Ender Chest. J'avoue que les pieds sont encore ah, bien. Ah, quoique hein. non, je les ai posés, ça. Enfin, je les ai. Pourquoi je fais ça alors que j'ai des Elytra? Bah alors. Enfin, un petit moment que j'ai pas vu de écoutez, cette opération s'est déroulée sans mort. Un franc succès, ouais. Bon, petite erreur à un moment, mais vous savez, toute opération fait une erreur. Sans mort, ouais. De l'associé le moins fiable. Oui. Hein? Mort du stagiaire, c'est pas grave, hein. Il a été remplacé directement. En parlant de stagiaire, d'ailleurs, faut qu'on réponde. Mais je lui ai dit qu'il fallait qu'il nous fasse un Vartak, si tu m'entends. Il doit être en stream, Vartak. Fasses... Oh putain de merde, j'oublie que je peux voler. Il faut que tu nous fasses un petit CV, mais sur un livre. Bah, bien sûr. Sinon, c'est pas valable. Les CV IRL, ça ne fonctionne pas, monsieur. Nous, où sommes-nous? Oh. Non, mais dans quel monde vit-on? Nous ne sommes pas chez Pôle emploi, monsieur. Non. Vous êtes chez Stonks Industries. Putain, je vis ma meilleure vie en tout cas. Ça met 300 ans à charger, c'est terrible. Ouais, c'est bien, je suis dans un endroit où il n'y a plus d'île. Du coup, j'essaie de voler dans le vide. Donc, je me fais un peu dessus là. Ouais, mais j'ai eu stat tout à l'heure du coup. Oh, j'ai une forteresse. T'as un bateau? Bah, je sais pas, je voulais juste des shulkers en fait sans la forteresse. Ah, d'accord. Je vais retourner en arrière parce qu'en vrai. Mais putain, mais même mes trucs en arrière, genre ça a du mal à charger, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors, c'est juste... En fait, j'ai dû louper des forteresses qu'on peut pas charger. Non, mais mec, attends, la forteresse, tu peux pas faire plus petit en fait. Si, bah, t'inquiète pas que j'ai eu minuscule hein, et pourtant il y avait un bateau donc ne perds pas espoir. Ah bah là, je perds espoir, il y a même pas une tour entière donc. Ah, alors après.
pas te mentir que on peut pas faire des miracles hein. Ouais, si c'était une bonne idée que Martin il s'achète un casque comme ça hein. Parce que maintenant il gueule à cœur ouvert hein. Il entend plus rien. Il gueule hein. Bah écoute, il joue à Valorant du coup. Ou alors non, même pas, je joue à Valorant. Il stream ou pas? Ah mais il stream ce con en plus, mais il joue à Valorant, c'est ça. Mais arrêtez de me tirer des bouboules. Vous pouvez aller sur le chat de Ponk hein, et lui dire s'il peut arrêter de gueuler parce que je l'entends. Ça m'arrangerait pas mal. Bien sûr. Pouf. Ça j'ai remarqué Luzord, ouais, tu t'éclates hein. En plus. Tu t'éclates Luzord. Hein. J'ai avoir des problèmes de heal moi. Mais t'as bien il raison. Il est temps de se suicider. Lane va être reset après que vous partiez de l'endroit. Sérieux? On en parle que j'aurai plus de... Apparemment, c'est peut-être une info chat, hein, mais... peut-être que Lane sera reset quand on quittera, donc si c'est reset, je passe ma soirée dans Lane, moi. Bah, personne ira dedans, donc... Tu vas te faire chier vendredi soir. Bah non. Genre, j'aurais fait encore plus de stock. Mais j'adore faire ça, mec. Bah, c'est trop bien, hein. Moi j'adore faire ça. Hein. Poser la question à... C'est con à dire, mais moi balader dans des mineshafts, dans des forteresses de laine, moi c'est un bonheur. Hein. Moi en vrai, je me baladerai vendredi soir. Ouais, pareil. Bah, le truc, c'est que je me dis que vendredi, il y aura tout le monde le fera, donc là je suis tout seul. Tout le monde va aller. Oui, mais tout le monde le fera. Mais on aura des élytrains en fait. Oh, j'avoue, oh, tout le monde va arriver en mode ah, on y va à pied, nous on sera là. Allez, les losers. Hein. nous on y va. Enfin, après, j'avoue que mon élytra, moi. On pourra partir loin en fait, sur tout ça. J'avoue que je tente, mais mon Elytra est déjà mid-vie, donc... Oui, et puis il y a ça aussi, hein. faut pouvoir la réparer. Après, c'est vrai que j'étais pas contre une deuxième paire, mais je pense que ça va être trop compliqué, je vais pas... Bah après, c'est juste que moi, je vais faire jusqu'à temps qu'elle ait plus beaucoup de durabilité, et puis j'arrive à la maison, je lui mets Unbreaking et Mending, et puis voilà, hein, c'est terminé. Hein. J'ai une Smite 5, Unbreaking 3, Knockback 2, Fire Aspect 2 en diamant. Oh, waouh. Petit looting, et puis on va faire mettre du Wither, quoi. Ouais, t'es pas mal, là, ouais. Bon, qu'il y a eu 200 personnes qui spam arrête de gueuler. Merci. Yes. Par contre, c'est pas con. On faut qu'on fasse des potions de slow falling. Ouais. Exactement. Merci Patate Douce pour ton resub. Merci beaucoup. C'est gentil. Bonsoir à toi. C'est des bons conseils. Oui, j'habite avec Ponk. Oui, je vous disais bon, je vais pas m'amuser à le dire pour rien, les gars. Vous doutez bien que j'habite avec lui. Hein, c'est. Là, vous m'avez posé une question, c'est comme si m'avait demandé, c'est comme si je vous ai dit, je reviens, j'achète une baguette, vous me disiez, tu vas à la boulangerie? Oui, j'ai du mal à parler, je sais, désolé. Ça m'arrive. Mais du coup, question, si on prend un portail de retour dans l'End, ça nous emmène où? Yep. Ah, ça t'emmène sur l'île. Ah, ok. Ah, bah ouais, mais là, le portail est pas spawné. J'ai tu vois. Idée. Ah. Alors, y a un bateau ou pas? Y a un bateau? Non, y a pas de bateau, dommage. Eh ben on va récupérer un peu de shulker. Je peux faire pas de feu d'artifice. T'es parti vers où, Ika? Moi je suis en 2690. Je suis parti vers l'est, grosso merdo, mais un peu bizarre parce que... Et un coup de sac! Un coup de sac! Un stocker, si on peut faire une shulker après. Des bâtons de lumière pour la déco. Ouais, mais ouais. Bon, 23, j'ai 11 shulkers, ça suffira plus qu'il m'en faut pour l'instant. C'est bien que ça en drop tout autant. Putain, j'ai vraiment la pire forteresse possible quoi. T'es parti vers l'est? Ouais. On venait d'où nous? Du sud? Non. Non, j'en sais rien. Non, on venait de l'ouest, je pense. C'est vrai qu'une deuxième paire ne ferait pas de mal. Bah clairement oui, moi j'aimerais beaucoup avoir une deuxième paire. Après mais... moi j'ai pas de feu d'artifice. C'est vrai qu'une seule paire ferait pas de mal quand même. Bah c'est pour ça aussi, c'est que si j'en trouve ce sera pour Eka et... Ouais ouais, moi je pense que je vais... Ah, merde, j'ai regardé l'Underman, zut. Je bouge pas, j'attends qu'il se calme. Ouais, si, à part là-bas... C'est vrai que l'Underman chest par contre pour remettre tout le stuff dedans, faut en faire de la place hein. Merde, j'aurais dû te filer... Mais t'as pas de quoi faire, t'as du bois? Quoi, des moldaves? Pourquoi faire une shulker? Ouais, tu fais une shulker. Bah les gars, Moi j'avais des... Oh, c'est pas grave, je la retrouve, ouais. La Moldave, c'est la Moldavie, les gars. Les gens disent, c'est quoi un Moldave? Bah... C'est un habitant de la Moldavie. J'ai pas de bois, de la Moldavie. Non, je vais pas prendre de risque, vous savez, on est bien.
Ah, moi, c'est juste que j'avance tant que mes étraces sont pas cassées, quoi. Les gars sont cassés, ça part dans le Dark Chest, et puis. Et puis ça se suicide, en fait, directement. Car la vie est faite comme ça. C'est vrai qu'elle broque pas les étraces. Non, elle broque pas, juste elle s'abîme. Elle s'abîme, il faut les réparer avec des fantômes membranes. Ouais. Et bah écoutez, tout est en place. C'est avec plaisir. Et fierté. J'accepte mon sort. Et un balcony, c'est un balcon. Oui, exactement. C'est le principe, ouais. Avec quoi on fait des potions de slow falling, au fait? Bonne question. Membrane de fantôme, je crois, non? Ah oui. On en a quelques-unes, ouais. Ouais, on a quelques-unes, faudrait qu'on en ferme un peu plus. Bah, surtout que ouais. Ça sert aussi à réparer les élytras, donc. Bah écoutez, c'est bon, j'ai rien oublié, les gars. Un V1 Enderman. On fait un V1 Enderman? Allez, go. J'avoue, c'est pas mal ça, comme. Pas mal comme mort, ça. Tomber dans le vide. Après, okay, une mort dans le vide, c'est rigolo. J'avoue. Surtout dans l'end. C'est que des cul-de-sac, c'est horrible, hein. Le 1v1, je suis sûr de le perdre. Ah, ou sinon. La chute, t'es sûr de perdre aussi, Pierre. Je fais un. C'est bon. Affronte mon regard. Ah, c'est vrai que tant qu'on le regarde, y a pas de problème. Disons que c'est ça, c'est si on maintient le regard, ça va. Le problème, c'est que je maintiens le regard avec deux personnes. Ah, ça après. Hein. Ah ouais, non, mais non, mais les gars, le but c'était pas non plus de faire chier Martin. Vous êtes relou aussi. Il va encore me faire chier après. Ah, il m'a mis 6 coeurs l'Enderman. 6 coeurs, ok. Au pire, je vais essayer. Si je trouve une autre forteresse, j'essaie de mourir par un shulker. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, bah, mission accomplie. C'était incroyable quand même. C'est une très très belle mission en tout cas. Bravo capitaine pour ce vaisseau. Pour cette proposition. En fait, cette idée-là, on l'a eu quoi? Le premier soir, je crois. Oui. Avant. Même limite avant l'équipe, je pense. Avant l'équipe, on a sorti. Oui, Kizik, je sais plus, il y en a un dans le 3 qui nous a dit, mais attendez, on peut pas faire des machines volantes dans l'aide? Du coup, on a fait. Eh hey, hey. Oui, Yusuke 2, j'aurais dû mettre le narrateur. Vas-y, je mettrai ça. Oh, quel plaisir. On va aller flexer un coup au spawn. Ah, mais Unbreaking et Mending déjà dessus. Hein. Oui. Je perds pas de temps. Et il me faut. Après, je vais peut-être farmer un peu de Netherite. Il me faut un dernier lingot de Netherite pour faire mon pantalon. Mais j'ai trouvé. Ah ouais, mais c'est con parce que j'ai trouvé un truc. Bah si, protection 4, j'ai besoin. Ouais, si, c'est bon. Bon. Pas dingue cette plateforme. Je vais peut-être charger des têtes de Wither, on a besoin d'un Wither. Est-ce que je pars pas zéro forteresse, hein. Ah ouais, je suis au bout d'une île, j'avoue que j'ai pas vraiment envie d'aller dans le vide là, puisque je suis à 150 de durabilité sur mes élytras déjà. Ah, moi j'ai que de faire mi-tour tout à l'heure, parce que j'ai quoi, j'ai que de sac. Hein. Je vais voir par là. Même parce qu'il y a une tête de Wither. Eh bien. Alors, on va se restoffer avec ça. Et le pantalon, on va prendre ça. Et on va mettre Unbreaking 3, c'est tout ce qui manque. Ça, on va mettre Mending Unbreaking. Par contre, j'ai plus d'XP. Pas des trucs à désenchant. Ouais, j'avais une meilleure pelle. Ah, quoi que je peux avoir Efficiency 5. Non, je veux aussi le touch sur la truc, donc non. En tout cas, ça aurait été bien, j'ai récupéré des élytras, j'ai récupéré un pantalon protection 4 Unbreaking 3. Franchement. Ah non, par contre, le stuff il est toujours aussi broken. Hein. Ah, mais ça change pas, ça, c'est toujours le bonheur. Bon, on a du 21 souffles de dragon, les gars. Je reviens en arrière en fait là. Merci à ceux qui ont fait les coffres. Merde. De rien. Parce que c'est sûrement moi. Les datapacks seront dispo quand, tu le sais. Alors, c'est pas moi qui gère les datapacks, les gars, donc je peux pas vous dire. Je sais même pas s'ils seront disponibles à un moment. Ouais, aucune idée pour le coup.
On a que du coffre, bordel. Quel plaisir, l'âne de pied. Ouais, je vais tenter un vol plané dans le vide. Hein. Si je trouve rien, je reviens sur la terre ferme et puis on s'arrête là. Hein. Ce serait bien que Kyle s'y jettera aussi. Bah ouais. Moi j'aimerais ouais, bien. Ce serait pas mal. Moi je veux qu'on soit là, que la Strong Industries montre son talent. Montre son talent et sa détermination à battre tout le monde. Et envoyer au tapis ses adversaires. K.O. K.O. 5 jours de jeu, on a des Elytra alors que le dragon n'a pas encore été fait. K.O. Hop, hop. T'as ça. Mon torse huilé. Une petite forteresse quoi, merde. Bon, attends, je vais retirer mes Elytra quand je m'en sers pas, comme ça au moins. J'ai pas besoin de garder ça, on va aller Dez. On va Dez, ça on garde. Est-ce que j'ai foutu? Ah oui, c'est là encore. Et là, je donne-moi une grande île. Une grande île. Ouais, une grande île, ouais! Ça on va Dez, ça on va Dez, on va. Ah, je fais chier à Bridge pendant 300 ans pour tomber sur un cul-de-sac là. C'est les joies de l'end. Ouais. Oh, j'ai envie de crever. Belle. Ouais, c'est compréhensible. Belle. Mais en fait, là, je suis retourné au spawn, enfin de là on est arrivé là. Ah oui. Matériaux rares. Toi, les chorus, on s'en fout. Hop. Chouchou! C'est la fin du chouchou. Bien joli ces grandes îles là, mais celles-ci elles sont vides. Quel est l'intérêt finalement? Ah ouais, on a bridge 1000 blocs, exactement, ouais, c'est ça. Tu regarderas la rediff, tu verras, c'était insane. En plus, on a trouvé un easter egg que personne n'avait jamais trouvé, donc franchement, n'hésite pas à regarder la rediff. Forteresse sans bateau, dommage. Ça, ah, on a eu de la chance de trouver des bateaux au début quand même. Hein. Ah bah, mais franchement, tu verrais, tu vois, il y a vraiment la toute petite forteresse où il n'y a même pas de salle à coffre et tout. Bah, c'est ce que j'ai eu, il y avait un bateau. Vraiment, j'ai eu une chance sur ce point. C'était assez abusé. Hein. Allez, on va chercher le stuff. Wait, what? Non. C'est chez vous la corne de... Non, c'est pas chez moi. Hein? C'est pas chez moi, non. J'ai entendu le bruit quand il y a un raid. Ah. Mais il y a rien. Je sais, Amba, normalement c'est ça, mais c'est ce que j'ai fait, tu vois, pourtant... Ouais, mais qu'est-ce que je... Non, mais putain, faut que je passe par-dessus. Okay. Elles sont mortes, donc on Osef, on va Dez. Merde. Alors on a une breaking. Je l'ai mal mis. Ah putain, au secours. On a une breaking. Voilà. Alors, de l'or, des émeraudes. Ah mais c'est ça que faut que je prenne pour Dez s'il faut. C'est ça qu'on peut faire ça. Putain, mais il reste vraiment 8 gunpowder. Je vais pouvoir demi-flex. Hein. Je demi-flex. Peut-être ailleurs. Ouais, je trouve un plastron protection 4 Unbreaking 3. Let's go. Ouais, parfait. Mon armure commence à se créer au fur et à mesure. Ok. On va ranger ça là. J'ai tout pris. Bon, ça peut être utile. Hein.
Pas mal tout ça là, c'est rangé. Ouais. Petit lag. Je loupais le dragon. Alors non. Parfois sur serveur, on entend le son de certains trucs sur tout le serveur, les raids font partie de ces sons. Ah ok, c'est ça. D'accord, donc il y en a un qui en fait un. Ouais. Ah, c'est un peu comme le son de. Bah, de portail qui s'active ou quoi, finalement. Ouais, ou de Wizard. Après, bon, t'es pas censé normalement. Oui, c'est ça. Bon, ça après. Je vais aller voir par là. Je viens de. Attends, je viens de là, on est d'accord. Hein. Oui, je viens de là. Je vais voir par là parce que la... Ah, quoi que, attends. Attends, j'aurais dû regarder de quel côté je venais, merde. Ça se trouve, je retourne en arrière. Non, c'est là qu'on les achète. Wait, qui a pris les blocs d'émeraude là? Ils sont dans le coffre. Dans le coffre à côté des villageois. Ah, je les avais ramenés parce qu'on en avait trop. Après, c'est pas vraiment des blocs maintenant, mais. Mais vous avez acheté quoi? Pourquoi il reste plus que 6 émeraudes? Ah, par contre, non, il en restait pas 6 quand je m'en suis servi. Bah quand t'es pas là, faut bien qu'on achète nos bouquins, ils coûtent pas une émeraude hein. Mais y'avait 4 mais... stacks d'émeraude. Non par contre non, faut pas abuser. Si y'avait 4 stacks d'émeraude. Non moi quand... Après à 30 émeraudes de bouquins ça part vite hein. Ah oui, y'a que toi qui les a une émeraude hein, Pierre. Mais faut me demander bande de... Mais t'es pas là, tu dormais. Ah, on dit plus rien maintenant hein. J'ai fermé 4 stacks d'émeraudes ce matin pour me retrouver mais avec on... ça. Mais si on a le trade avec les bouquins, les bibliothèques, tout, je sais pas quoi mais là, c'est... 4 stacks. Mais pourquoi vous avez acheté des bibliothèques? On en a 50 milliards. Mais non, je te dis, on a le trade pour ça, on les a pas achetés. Je te dis, on a le trade si on veut refaire des émeraudes, c'est bon. Non, bah non, c'est des bouquins, mais on... Oh, mais c'est pas vrai. Ça rapporte pas beaucoup, monsieur. Oh, monsieur. Mais vous avez fait augmenter les tarifs, monsieur. Ça marche comme ça ici, monsieur. Ah, je suis au bout de l'île. On en a un qui du coup level up. Non ? Si ? Qu'est-ce que tu proposes ? De la merde. Dis-moi que là-bas il y a une forteresse. Allez, Lika, je fais ça pour toi, mec. On va la trouver cette forteresse. Hashtag ouais, des Elytra pour Lika. Il manquait que du mending en soi, c'est ça ? Protection 4, unbreak. Ouais, c'est ça. Il manquait du mending là-dessus et on était bon. Ah, peut-être une Sharp 4. Oh, ça coûtait trop cher. Oui, parce que moi je fais attention. Mais tu fais attention parce que t'as les prix baissés, bordel. Oh, mais c'est pas vrai. Bon, je vais reformer un stack d'émeraude. Hein. Donc, on va laisser ça. Hein. Allez. Allez, le bon dieu du jeu vidéo, vas-y. Juste devant moi, là, vas-y, maintenant. Tu Allez. Vois, tu t'es fait Karmaed parce que tu cherches. T'es trop gourmand. Karmaed. Bon, ça va, hein, je suis pas encore mort. Hein. C'est juste que les chunks, ils ont vraiment beaucoup de mal à charger. Quoi. Ouais, à ce point-là. Ah oui, non, mais c'est. Il y a peut-être de la génération quelque part. Ah, mais je te jure que là, faut que j'attende genre 2 secondes devant un biome pour qu'il charge. Enfin, devant un chunk pour qu'il charge. Il est sur un cœur séparé. Ah bon? Enfin, normalement, c'est sur un. Ouais, chaque dimension est sur un thread séparé. Bah, donc, le thread de l'end, alors il a un petit problème. Hein. Peut-être que si je fais un F3B. Ah, c'est pas F3B, c'est F. Merde. Ouais, mais c'est ça, hein, c'est le niveau serveur que ça affiche. Je sais plus ce que c'est là. Bref. C'est ce que j'ai fait F3. Hein. Bah il est temps d'aller flex. Ah, faut qu'on la forteresse. Wololo. Wololo. Et ce qui est bien, normalement je crois qu'avec mon pack de textures je peux avoir des designs custom pour les Elytra. Bah moi c'est ma cape. Bah oui, mais moi j'ai pas de cape Minecraft officielle donc. Putain, j'entends encore les raids, ça fait trop bizarre. En parlant de raid, vous savez... Connaissez-vous? On fait du Stonks sur l'E-Cube. Stonks Industries, tout ça. Bien sûr. Demain sera une journée dédiée à
à Family Stonks. Ah. La version IRL de Stonks Industries. C'est donc pour ça. Donc demain après-midi, je compte sur vous pour participer à Family Stonks. Donc préparez vos meilleurs emails pour créer des nouveaux comptes. Aïe 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 aïe. Je crois que je vais flexer avec que des flight duration 1 ou je fais des 3? Non, fais des 1, ça sert les 1, les 3 ça sert à rien. Les 3 c'est trop dangereux justement, c'est... Donc demain il y aura du Holicube bien évidemment, mais il y aura aussi du raid. Mais t'étais pas là dans ça? Shadow Legend, non mais demain après. Ah oui, ça sera demain après, pas demain soir les gars. C'est pour ça que tu voulais pas jouer à Minecraft Dungeon avec nous. Parce qu'il y a de la moula. Ouais. Il y a de la moula. Bien vu, bien vu. Allez, woulou la forteresse là, woulou. On pourrait jouer en soi à Minecraft Donjon l'après-midi si vous voulez. Entre deux. Non mais t'inquiète, on te fait. Entre deux trucs de raid Shadow Legend. Tu do what you want. Non mais ouais, mais au pire. Ouais, mais vous allez finir en une fois le DLC. Ah bah le DLC, il va se rusher en 2 heures. Hein. Ouais, je pense. Clairement. Non, mais je le ferai tranquillement posé, je pense. Bon, il est l'heure d'aller flex. Je vais essayer d'économiser mes élytras. Hein. On va descendre comme ça. Aïe. Oula, ah oui. Ça galère à charger ce soir. Ah, on est d'accord. Hein. Bah peut-être que, je sais pas. Ouais, on est nombreux en même temps. Et on est dans 3 dimensions différentes avec possiblement de l'exploration aussi. Bah et, oui. Si tu génères 3 dimensions à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 joueurs. Ça fait beaucoup, donc oui, c'est sûr. C'est pas. Mais je reviens sur... pour craft des shulker box. Mais je suis revenu sur mes pas en fait. Mais quel enfer! Il y a combien de latence avant à votre avis? Prends du bois pour crafter des shulker box. Ah, ah oui. Je pense qu'il a, il remate la diffusion là. Mais le pauvre, il dit pas que depuis tout à l'heure le chat il a rien à voir avec ce qui se passe, toi. Je sais pas. Ils sont bizarres les gens, ils parlent de trucs. Alps, je compte sur lui pour. Je vais avoir besoin d'énormément de shulker donc. Et ça, je. Ah ouais, m'en faut un masse, moi pareil. J'ai la flemme de les. Oups. Ça y est, je commence à flexer. Aïe, 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 le flex. Et je vais tomber dans la lave comme un schlag. On peut pas les foutre en netherite, hein, les élytras. Non. Ah non, tu peux rien faire. Enfin, tu peux juste mettre une breaking mending, quoi. J'aime bien. Alps, ça combien... faut qu'on lui pose la question, combien il a de blocs de netherite. Est-ce que ça avance leur boutique? C'est pas ouvert encore, mais je suis curieux. Mmh. Ah mais si, mais... Ah putain, 3 diamants de protection 4, quand même. Ça va aussi, mais c'est les Restos du Cœur sont au magasin ou quoi? 3 diamants l'Infinity. 3 diamants le Fortune 3, on vend à combien nous? Nous à 4. 4, ouais. On les vend à 2. Putain, les arnaqueurs quoi, ils copient notre business et en plus ils baissent les prix. Non mais j'hallucine. Attendez, je vais. Ouais. Mais bon, malheureusement chez eux c'est des bouquins qui sont pas faits avec des ingrédients bio faits par Michel et dans une. Surtout t'as vu le taux d'XC là? Bah voilà, bof. C'est une vieille tante. Ah les bon, gueux. 3 diamants, 5 diamants de sharpness 5. On le vend moins cher, non? 4 je crois aussi, non? Sharpness 5, mais c'est 5. Hein. Ah ok. 10 diamants les 4 livres. Seal Touch Unbreaking, on vend à combien Seal Touch 4? Mais c'est bizarre comme ils les mettent. Fortune, j'ai pas compris, 10 diamants les... Bon, en vrai, les ça, si je peux, je fais ça. Hein. Je fais ça, je fais une dédicace à Matox comme ça. Je dis, celui-là, il est pour toi, Matox. C'est Seal Touch Fortune et deux Zone Breaking. Les Zone Breaking, on les vend à 2, donc il faudrait qu'on vende Seal Touch et Fortune à 3. Mais c'est ce qu'on va faire. Donc c'est bon, on est ok. Unbreaking 3, 10 diamants les 4. C'est plus cher que chez nous. Chez nous, oui. C'est 2 diamants. Ok, donc ça va. Et si j'oublie, vous me le rappelez vendredi, bien sûr. Ah, 10 diamants, les 4 livres, Frostwalker. Si j'oublie vendredi de faire ça, vous me dites, oublie pas le livre pour Matox. Nous, c'est 8 diamants, 1 livre, donc. Ouais.
là-dessus. Mais par contre, le problème, c'est qu'il le vend pas indépendamment. Donc, pack épée, 10 diamants, les 4 livres. Ouais, t'as tout. Unbreaking. Ouais, mais il met de Unbreaking Sharpness, Sweeping Edge, Looting, Fire Aspect. Et ensuite, ses armures non enchantées. Ok, c'est intéressant. Bon, je pense qu'on va changer légèrement de tarif. On va s'aligner sur leur tarif pour ceux qui veulent acheter tout seul. Donc, à savoir, Seal Touch et Fortune, on va passer à 3 diamants. On a rien à perdre. Tous les livres ont déjà été craftés. Donc, Oui, ils sont déjà prêts. Looting, on va passer à 4 diamants. On va faire une petite réduction. Flemme, on va passer à 4 aussi. Ça, on va passer à 3. Du nouveau, Icar ? On va réduire ses prix de 1. Ah, je bon, Frostwalker, c'était trop cher. On va grandement réduire. T'as du nouveau, Icar, sur... Ouais, c'est vide. Le fait que vous allez acheter des shells... Très bien, c'est noté. Monsieur Alps, nous ne ferons pas concurrence à vos packs de livres ni et n'irons pas plus loin qu'aligner nos prix sur la concurrence. Sur la concurrence. Avec Clintwood qui réussit le retour à l'envoyeur et qui va pouvoir sortir. Pour ce geste. Inside. Pour ce geste d'économie durable. Bien qu'on n'oublie pas les paroles de Red Tox, hein, ça. N'oublie pas ces menaces. Vous savez qu'on a vendu plein de trucs encore ou Ah ouais, bah tout à l'heure quand j'ai check, il n'y avait rien de vendu. Alors on a vendu un Unbreaking, 2 diamants, on a vendu 2 Efficiency, 6 diamants. On a vendu un Looting, 5 diamants. Après, le soir, il y a tout le monde qui joue, donc... Ouais, c'est ça, là, c'est on intéresse. On a vendu une Sharpness, 5 diamants. Ah, est-ce que Retox a entendu ce que j'ai dit? Alors, la concurrence. Son argument pour la fortune 3 moins chère, c'est parce qu'il s'est aperçu que le vôtre, c'était une fusion de deux fortunes 2. Non, bah c'est non. Faux. Non, non, fortune 3, ah non, c'est pas du tout. Fortune 3, c'est le looting, important. Mais le looting, il y en a qui sont... Cela sort des propos. En fait, les looting, les looting 3, par contre, il y en a la moitié que c'est des purs looting 3 et l'autre c'est des fusions. Mais non, non, nous n'acceptons pas cette. Non, ce sont des critiques vraiment totalement négatives et juste. C'est diffamatoire, le Fortune 3. C'est diffamatoire, oui. Bien sûr. C'est encore l'info chat qui a fait le téléphone arabe. Oui, bien sûr, oui, c'est encore une info chat dégueulasse, ça on reconnaît. Merci beaucoup Yabi Cassis pour tes 300 bits, c'est incroyable, merci beaucoup. Allez, on aligne nos prix sur la concurrence. Et bravo pour ce dépucelage de bits. Merci nice. Beaucoup, c'est gentil. Pour acheter les shulkers comme ça. Je sais plus combien il le vend. Ça, ouais. Là, par contre, vu la rareté des livres, je sais pas s'il va pas augmenter les prix, Alps, parce que... Bonne question. Putain, faut que je change les prix ici aussi. Ah, plus on avance, plus mes élytras perdent de durabilité là. C'est pas bon. J'arrive à trouver une île. Voilà là. Allez. Sharpness, on le laisse à 5. Je sais plus à combien ils l'ont mis. À 5. Il est à 5 chez eux. Hein. Ouais. Maintenant, je touche pas à ça alors. Non, non, on aligne nos prix sur la concurrence. Vous savez. La concurrence, c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais, le Frostwalker était un peu abusé par contre, clairement. Allez, une forteresse, frère. Une forteresse. Pour hashtag des Elytras pour Ika. Mmh. Je suis sûr que je suis passé à côté de 15 forteresses, c'est juste ça. Ah, mais moi aussi, hein, c'est juste que vu que ça charge pas, bon... Et en fait, tu vois deux blocs carrés autour de toi, donc... C'est ça. Je vais remettre ça comme ça du coup. Je crois que je vais invoquer la Litra avec Ameno. On croit en toi. Vas-y hein, fais-toi plaisir. Bon. Après, en vrai, ben tiens, avec... je vais m'acheter un petit pack. Allez, participons à la concurrence. Je vais me prendre un petit pack. Petit pack Red Shadow Legend. Attends, il dit 10 diamants les 4 livres pour le pack armure. Est-ce que vous voulez des Phaser Falling ou pas, les gars? Ouais. Moi, je veux des Elytras. Ouais, il me faudrait un Phaser Falling, ouais.
Ika, tu veux un Feather Falling ou pas? Ouais. Ouais, des Elytra aussi. J'étais sûr. Comment je te pré-shot. Ah, mais ça, ça continue par là aussi. Ils ont... Ah, vous voulez un Depth Rider 3 ou pas? Non. Ouais, ouais, bah écoute, bah, je les prends aussi. Hein. Des Elytra. Depth Rider 3, toi, tu veux? Ouais, je veux bien. Mais, okay, mais j'ai bon, rien, moi j'ai vraiment rien, genre. Je vous ai pris un Depth Rider 3 et. J'ai pris un Depth Rider 3 et 3 Feather Falling 4. Donc voilà, c'est payé. Et comme ça, je vous file ça. Bah voilà, on fait marcher la concurrence aussi. Par contre, quand je vois des XD excellents dans le chat à chaque fois, vraiment. Protection 4, c'est vrai qu'il est. Ça me débecte. Hein. Cet homme me débecte. Infinity non plus. Il se moque de nous. Alors qu'on dépense notre argent chez ouais, lui. Ouais, Sharpnet 5, c'est. Ouais, alors qu'on dépense notre argent. Merci Dracas pour ton 8ème mois. Merci beaucoup. Salut mec. Ah, oh, y'a du Smite 5, hein. Smite 5, j'ai déjà un bouquin. Ok. Attends, faut que je retire ça. Bah, allez hop, petit achat. Petit achat, c'est parfait. Il nous faut maintenant de l'XP. Tellement pas de chance sur le Fort. Attends, vendredi, je vais les acheter chez Al. Stonks. Ah, c'est tellement pas de chance sur le Forteresse. Le pack, c'est 4 livres différents. Attendez, on va poser une question. Chère entreprise. Alps Red Tox. Il y a ML aussi, non, dedans? J'en ai aucune idée. J'ai besoin de plus d'informations sur le pack 4 livres. S'agit-il de 4 livres au choix ou de 4 livres imposés? Le pack armure, par exemple. Et donc, par exemple, si c'est imposé, nous on pourra faire au random. Enfin, au choix. J'espère qu'on choisit ce qu'on veut. Bah oui. Ah, tout va bien. Parmi l'assortiment disponible, donc c'est bon. La racaille adverse vend bien ses choses. Parfait. Merci. Achat effectué. Je valide la qualité éco-digitale. De votre tante. De votre tante. Hop là, c'était gratuit ça. J'ai trop l'habitude de marcher, je vole même plus. Tellement, il y a tellement d'Underman où je suis, par contre, c'est incroyable. Oh, je vois plein de gens se balader avec très peu de vie. Non mais c'est bien, ils proposent des trucs différents, ça c'est vrai, bien. C'est vrai, ça par contre, ouais, ça c'est cool, en vrai. Merci Alex, pour les 1000 bits, Stonks. Insane. Hein. C'est pas clair, tant pis pour eux, j'avoue. C'est vrai. Quelqu'un vend du Feather Falling? Bah tu dis oui du coup, oui, j'en ai un. Attends, on pourrait les acheter par 4 à 10 diamants. Et les revendre à 3. 3 diamants. Bon. Non, ça c'est dégueulasse. Ça ah, commence merde, à faire ça. On s'expose à des problèmes. Non, non, ah, non, une concurrence bon bah, saine. Bon bah je suis retourné sur mes pas. Bah du coup je vais devoir partir parce que je suis retourné sur mes pas donc. Ah merde. Quel con. Il y aura des guerres commerciales à un moment, mais ne commençons pas sur des guerres commerciales. Il me semble que du coup mon bateau était par là. Il me semble que je reviens vers mon bateau en fait. Ou alors non, c'est Ika qui est parti par là. Il est possible si on trouve un. Hmm, non, je me dis je suis peut-être passé là où t'étais. T'as fait des chemins en cobble? En cobble Je sais pas. Bah yes, du coup. Si on trouve un villageois qui vend Feather Falling, je vendrais peut-être du Feather Falling indépendant du reste, je sais pas. Mais le coût des packs, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Parce que tu as besoin d'un truc et tu dis, oh, on en a 4, ça fait 2 diamants 50, c'est pratique quand même. Il y aura des raids commerciaux avec Bad Omen, j'espère. Bien sûr. Tout est possible. Bon. Il n'y a plus qu'à de l'XP. On va désenchanter ça. On va désenchanter ça. On va désenchanter ça. Je mets dans le coffre juste à côté de l'Under Chest vos Feather Falling et Depth Rider, ok? Ok. Ça marche. Combien ça coûte moi de rajouter Feather Falling? Je sens vraiment que je vais retomber sur ma forteresse tout à l'heure. En 12 en renommant, c'est tout.
pour apporter grand chose ces conneries. Eh ben attends, alimenter en livre là-bas. Ah mais la map, le logo, ce sera fait hors stream, je pense. Hein. Donc ce sera pas fait en stream. Hein. Ah la map, j'ai commencé à... Alors... Il y a un début, mais... Je vais vous montrer après. La map, il nous faut dans les 160 stacks de laine. Voilà. Donc on le fait petit à petit, mais on peut pas le faire en une fois et on le fera hors stream. J'ai hésité à faire un timelapse, mais très honnêtement... Ben fuck, quoi. Un chat derrière ma porte. Parce que c'est, oui. C'est un peu trop galère, hein, pas se mentir. Salut, j'ai une idée pour les Olympics. Alors, salut, je ne suis pas Nems, du coup. Mais... Ah bon ? Non, je ne suis Attends, pas Nems. Spoiler, je retire mon masque. Chut. Depuis... Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, je vous ai bien pranké. On a un qui va entendre. Pour le pack, faites point d'exclamation pack dans le chat, vous allez avoir une commande qui va vous donner le nom du pack et même le lien pour le télécharger. C'est pas ouf ça ? Je le ferai bien. Putain, mais je suis là. Oh, mais je suis là. Shadow Legend évidemment. Un petit raid. Ah, mais non, demain je ferai des raids. Putain, trop marrant. On les appelle comment ? Ok, je vois où je suis. Alors, en fait. Les machines à laine automatique, c'est long à build et ça farme pas assez vite. Rien que vous. C'est mieux un gros champ de moutons et des coups de cisaille. Putain, je suis tellement en train de retourner sans mes pas, genre ça sert à rien ce que je fais. Oui, en 15-20 minutes, elle est setup, mais pour un mouton, il faut rester full AFK et ça rapporte pas tant que ça. Oh, les claquettes ou les crocs ? Les high crocs ? Les high crocs, bien sûr. Oh, les high crocs, hein. Ça fait escroc. Mais arrête, mais bouge de là, les mais. Saussures. Mais non, c'est moi les saussures. C'est toi les saussures, j'avoue. Oh. Vole pas le trademark, hein. J'avoue, c'est copyrighté. Non, mais les high crocs. Donc j'ai les high crocs, l'ice slip, les ailes et le stone casque. Oh my god. Est-ce que cette forteresse elle a été prise ? Est-ce qu'il y a un bateau surtout ? Allez, un bateau pour Eka. Hashtag un bateau pour Eka pour des élytras. Ça sent tellement mauvais. J'ai un méno à fond dans les oreilles, mais toujours pas d'élytras. Ah, mais ça sent mauvais, c'est nul. Putain, mais on a trouvé deux forteresses tellement vite. Ouais. La troisième, c'est toujours la plus dure. Hein. Mais enfin, je veux pas. Mais y'a pas la stat de combien d'élytras dans l'air, hein. Tu sembles être la source du problème ce soir, Ika. Non seulement tu meurs, mais. Ah, la source du problème, écoute, carrément. Si j'ai parrainé les blocs, hein, vous serez encore comme des cons dans l'aine, donc. Mais non, ça va, oui. Vous avez des blocs, monsieur, moi. Bah, ça t'apprendra, Ika, y'a pas de bateau, voilà, chais. T'apprendras, tiens, mal parler. Y'a pas des bateaux. Je t'apprends à mal nous parler, moi. Combien de kilomètres dans l'aine ? Si, je crois. Non, y'a pas. Y'a pas. Y'a les stats en élytra, mais pas pour moi, ça. Ah, oui. Pas encore. Zut alors. Soon TM. Vanishing Curse, Katay. En fait, je sais pas d'où je viens, ça, Katay. J'ai dû faire 15 fois demi-tour, du coup. Bah, je peux pas te dire que moi j'ai réussi à retourner sans mes pas, donc je pense que tu peux retrouver au terre. Mais en fait, je fais attention qu'au bout d'un moment j'aurais plus de durabilité sur ma pioche en azurite. On peut cuire des items en azurite. Quoi ? Pour obtenir l'azurite ? Non, on peut pas. Non. Ça aurait été insane, mais malheureusement, non. Bon, quand même, je tiens à signaler. Ce soir, Icetonks reconnaît que. Enfin, Icetonks, Tonks Industries, pardon. Reconnaît quand même que la concurrence nous a fait un petit peu peur hier. On pensait à une guerre commerciale, mais finalement, la concurrence est réglo. Oui, mais la concurrence n'hésite pas à copier le système marketing de Stonks Industries. Oui, tu sais, au final, de toute façon, regarde, très honnêtement, t'as vu les magasins. Oui, bien sûr. D'un côté, on a l'entreprise familiale fournie par Michel Roger et Josiane, ouais. Avec de la qualité avant tout, bien sûr. Et des beaux matériaux. Et de l'autre côté, on a la version Wish, quoi. C'est vrai, avec une tente. Lol. Avec une tente. Lol. En parlant de version Wish, j'ai croisé en bagnole aujourd'hui un mec qui se baladait avec un t-shirt Wish où il a écrit ça dessus. Je savais pas que ça existait. Ils ont un magasin de vêtements, genre. C'était très Stonks. Un old t-shirt.
C'est donc ça F. Qu'est-ce que je fais? Faut pas que je passe par là, moi je suis un malade. Et oui, et aussi un C4, il faudrait faire GeoGuessr mais sur Apple Maps. Hein? Ouais, là, j'ai croisé récemment une. Oui, d'accord. Une voiture Apple Maps. Mais c'est quoi? C'est incroyable! Je savais même pas que ça existait. Du coup, j'étais cartographié. Oh, mec, en vrai. T'étais en slip dans ton jardin ou. Non, j'étais. Ben, un jour, si tu vois une Tesla sur Apple Maps. Oh, damn! Dans le 91, tu. Pardon, monsieur, pardon. Vérifiera. Faut flexer devant Nem, s'il va pas comprendre, mais je sais pas où il est. Il va me buter, il va récupérer mes élytras, je vais devoir marchander. Non. Mauvaise idée, finalement, mauvaise idée. Finalement, vous savez quoi? C'est non. Allô? Oula, les lags. Non, mais on pourra flexer pendant le dragon. J'avoue, pendant que tout le monde sera en train de taper, nous on sera en train de tourner en rond, genre allez les gars, allez toucher hein. Non mais y'a pas un truc hein. Oh. Là par contre j'ai plus de problème de chargement tu vois. Bah ouais mais ça y est, j'ai arrêté de chercher aussi donc. Ah oui, ouais, du coup elle était pas en train de fly hein. Ouais. Mais l'important c'est que la mission est accomplie, okay, nous sommes les premiers à avoir des petites élytras. C'est vrai, en tout cas on restera les OG. Hashtag chez la concurrence. Hashtag sans tuer le dragon. Ça va faire bizarre écolo. Dans la vidéo parce que quand je vais faire la vidéo, les gens vont voir qu'on prend les élytras et ensuite on tue le dragon, ils vont faire mais t'as mis les rushs à l'envers. Mais c'est bizarre. C'est pas normal ce que tu fais. On va aller à la map, je vais vous montrer comment c'est comme ça vous allez comprendre l'ampleur des travaux. Y'a quoi que j'ai oublié de prendre? Ah mais du coup il va nous falloir plus de couleurs Ika. Oui. Ikea, il a déjà pensé à ça. Aïe. Aïe, bonjour. Je l'ai fait 32 x 32, on a dit, ouais, c'est ça. Hein? Allez, tête. Ouais. Ouais, il vous surveille. Mais il a bien raison. Mais on fait rien de mal. Bah, moi, je tonds des moutons. Moi, je récupère des shulkers. Ça. Écoute. Tout va bien. Ah, mauvaise. Oh, quelle mauvaise idée j'ai eue. Bon. Ce qui est bien maintenant, c'est que avant, tu sais, vraiment pour trouver le stuff, c'était que dans l'end, je pense. Enfin, c'est là que tu rushais tout. Voilà, mais maintenant, avec les villageois, t'obtiens du bon stuff bien avant. Et je tente vite fait ça, et après je rentre, puisqu'après mes élytras sont mortes. Vous en êtes où du coup? Bah, moi, toujours pareil. Écoute, c'est pas fameux. Hein. J'ai trouvé des petits stuff ici et là, mais pas d'élytras pour Ika. Putain, mais on a trouvé qu'une seule du coup, c'est. Bah deux en fait. Oui, enfin deux, oui, mais on a pas trouvé pour Ika quoi. Auré a dit une paire d'élytras. Mais je sais, mais j'en cherche une pour Ika, je vais me le dire trois fois. Trois fois en fait. Ah ça écoute Auré, mais pas moi hein. Bah super. Bah super. Comment on a eu les élytras sans tuer le dragon? Je laisse Jimmy répondre à cette question avec sa petite soundboard. Alors malheureusement je ne peux pas parce que j'ai retiré le micro de la soundboard parce que mon voice mode a bugué comme pas possible tout à l'heure. Merde. Je vais faire un donc, petit donc ce soir malheureusement pas de soundboard. Fais-le avec la bouche. Merci Aldrima. Stonks. C'est bon comme ça? Ah, c'est pas aussi bien que l'original mais... Ouais je sais mais bon c'est... Après faudrait que je... Ouais non je peux pas. Après, attends, retourne-y avec tes élytras mending. Ouais, mais c'est chiant parce qu'il faut remourir. Oui, c'est vrai. J'étais en train de me dire, bah non, pas forcément, mais si. C'est le seul problème. C'est beau, il y a du monde ce soir, c'est plaisir à voir. Ouais. La dernière île. Alors. C'est... Ok, je suis à 16 de durabilité sur les élytras là. Chaque minute compte. Ah oui. On aurait dû prendre un live mending et tu sais dans le... Ouais j'aurais vraiment dû faire ça, genre je me serais mis, j'aurais tapé 2-3 Enderman là. Mais j'avoue que je pensais pas avoir les élytras aussi vite donc d'un côté... Ou je pensais qu'on en avait pour toute la soirée perso. Oui moi aussi ouais. Ah ouais, j'en ai pour toute la soirée. Hein. Mais ça veut dire qu'on aura le temps de jouer à GeoGuessr, c'est bon ça. C'est vrai. C'est vrai qu'il est même pas 23h non mais... Mais oui. Oui donc alors attendez pour vous montrer la taille de la map hein, qu'on est en train de réaliser.
je peux faire ça. Voilà. Allez, le jeu. Allez. Voilà la taille de la map. Allez, c'est maintenant que tu me fais rêver. Et je vous rappelle l'image. Mais faut que... Est-ce qu'il m'a répondu, Captain Birds, d'ailleurs ? Ah, il va mettre à jour le craft d'Hélène. Cool. Aïe. Non, mais après, Auré, s'il est pas sûr de ce qu'il veut qu'on fasse, vous pouvez dire qu'il vient dans le vocal, on peut lui expliquer, hein, pas de problème. Hein. Ouais, ouais, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Nous, on respecte les règles, hein. Il veut qu'on prenne qu'une seule paire d'Elytra, y'a pas de problème. Hein. Non, y'a pas de problème, c'est ce qu'on avait dit, c'est ce que j'avais dit. Juste pour qu'on lui explique vite fait que Ika a du mal à en trouver, et puis c'est pour ça que je continue à chercher. Mais y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Moi, de toute façon, je pense pas que je génère grand chose à la vitesse à laquelle je me déplace. Hein. Ils sortent vraiment. J'avais pas vu ça. Je suis en train de balader sur le Discord parce que je cherchais un truc. Je suis sur le Discord de Mojang là, Minecraft. Ils sortent vraiment des céréales Minecraft Creeper Crunch. Quoi ah, j'achète avec des morceaux donne-moi, de marshmallow. Donne-moi un site. Vert. Donne-moi un site. Ça a l'air dégueulasse. Donne-moi un site. J'achète de suite. Bon, c'est. Prends les bonnes céréales à 30 balles sur Amazon là. Let's go. Je vous drop ça. Oh, il y a une forteresse. Allez. Alors, attends, tout le monde prie. Si vous voulez, je peux en demander une. Hein. Je sais pas si ça marche. My mom is what she has. Allez, on prie pour qu'il y ait un bateau. Le chat. Ah oh, putain, c'est trop petit. Non, c'est trop petit. T'as une forteresse ? Ouais, mais c'est trop petit. Et je vois pas de. Non, il y a pas de quai pour un bateau. Non. Pas comme ça. Ils ont pas répondu pour le. Ah, dommage. Ok. Dommage. Je cherchais un truc du coup, mais c'était quoi ? Une question. Ah ! Oui, Captain Bird, s'il avait répondu. Ah non, mais il m'a mis un vent intersidéral. Ah, hashtag cher. C'est pas grave. Il en a fait une super, mais je pense qu'il bossait un truc comme ça. on va reprendre l'im. Ouais, si, je peux quand même. Mais à quel moment ? À quel moment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais à quel moment j'ai regardé l'Enderman ? Ah, meurt pas, hein ? Oui, non, bonjour. T'inquiète. Bonjour Aurélien. Qu'est-ce qui se passe ? Non, rien. Pas du tout. Rien du tout. Bon, bah. Parce que les gens viennent. Le chat est en mode hyper, demande si tu peux le rejoindre en vocal. Hein ? Non, justement, parce que les gens n'arrêtent pas de venir nous voir pour nous dire que tu as dit qu'on a le droit de prendre qu'une seule paire d'Elytra. Bah oui, non. Voilà, oui. C'est pour confirmer qu'il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on dit aux gens depuis tout à l'heure. C'est juste qu'on dit qu'au cas où si les gens demandent, c'est juste qu'on est encore dans l'aide parce que Ika n'en a pas et du coup je suis en train de l'aider à en chercher, c'est tout. Ah, ok. Juste pour dire qu'on respecte les règles, c'est tout. Yes. C'est tout, voilà. Comme ça, vendredi, vous pourrez aller chercher plein de paires d'Elytra et prendre. Voilà, les autres qui feront le dragon, nous on sera en train de partir vers les îles, quoi. Ouais, mais on n'a pas prévu de. On laisse. De toute façon, tu sais qu'il y a Alm sur le serveur, tu voilà, peux on pas. Oui, non, mais on peut rien faire. Sérieux sur on ce peut rien faire. Et on demandera en échange qu'il nous laisse un autre marché. Le mec, quoi, les techniques. Mais Alm, là-dessus, il est trop fort. Attends, j'ai plus de potions d'huile, hein, secours. Bon, nickel alors, je repars. Ça marche. Bon, je suis à 3h30. Les carpets tiennent sur l'eau. La technique Frostwalker, vous baladez, ça fait de la glace. Vous le posez sur la glace. Quand la glace s'en va, les carpettes restent là. Oh les îles qu'il y a devant moi. C'est fou, hein. Ok. Oula. Allez, les Elytra, c'est pas maintenant qu'il faut me lâcher. Juste traverser ça. Allez, mes grandes. C'est parti. Je sais pas d'ailleurs si la génération est changée. Cover me in débris, c'est quoi ? Ah, c'est fou, Sweet of. Ouais. Putain, mais Mayu. Ouais, mais Ika l'a eu d'abord. C'est vrai. Ah, bah Alps l'a eu d'abord. Ah, oui, non, Alps l'a eu de. Mais non, mais on parle pas de Alps, on parle de toi, Ika, merde. Ne ramène pas tout, Alps. Ah, oui, je vais demander à. Je vais leur poser la question. Question, on le voit avec ce soir. Ah, si, Captain Birds peut-être là ? Non ? Non. Je t'envoie ma tout à l'heure, je suis pas sur mon PC. Pas de soucis. Pas de soucis, il est dans le chat avec Captain Bird. Je vais poser tout ce qu'il faut. Merci. Non, parce qu'il nous a fait, une super map. Stonks Industries, on va faire quasiment la même, sauf qu'on va rajouter nos trois têtes en dessous. Je viens de tomber à un portail. Hein. Et moi aussi, j'en ai croisé pas mal. Ouais. Je suis con, j'en avais plein encore. Mais bon, j'ai 5 jeux de durabilité sur les Elytra, donc on va les ranger quand même. Au cas où.
Ça peut arracher de perdre mon stuff, mais bon, au moins les Elytras seront sauvés. Juste regarder par là en fait. Je comprends pas comment en ayant check autant de terrain, il n'y a pas eu une forteresse. Quoi. Ça s'appelle la malchance, malheureusement. Ah ouais. Putain, mais je suis à un endroit, il y a des îles incroyables, mais genre, bah, j'ai plus de. Mes Elytras ont 5 de durabilité, quoi. Pas m'amuser à faire le fou. Là, j'en profite pour placer les quelques carpettes. Ah bah après c'est pas à moi d'y aller hein, moi. Là c'est le jeu là, faut qu'il me fasse spawn une forteresse hein. Vous savez Ah oui, alors de temps en temps oui, il y a les herbes et là dessus on peut les comment on appelle les kelps, et on peut les placer par dessus sans problème. Allez les gars, on y croit hein. Ouais. Ouais. Et du coup, j'ai oublié de jouer ça. Hein. Ah, j'y crois dur comme fer là, ouais. Non, mais ça me fait chier d'explorer, enfin de générer. Oh! Oh oui! Ika! Ika TV Télévision! Y'a un bateau! Wouh! En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est l'item frame qui est apparu avant tout le reste. Genre, je vois une item frame en l'air, je me suis dit, c'est quoi cette merde? T'as vu l'item frame de loin du truc. Oui, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? En fait, bah c'était. Bah c'est Poggers! Bon, parfait! Par contre, clairement, je remonte. J'en mets pas mes Elytras, je vais le faire ça. Je vais faire la montée à pied. Hein. Bah, du coup, je bouge un tout petit peu encore dans l'aine, attends que je trouve ça, et puis. Ouais. Puis let's go. Du coup, je te donne les Elytras à 5 de durabilité, c'est ça? Je rigole, Mino. Le maillon faible. Bah, il faut bien. Hein. Pauvre Ika, il a farmé toute l'après-midi, tu sais. Mais c'est pour ça, il les mérite, ah, ces Elytras. Oui, dans le chat, je vous ai pas montré la nouvelle structure qui est apparue. Ah oui. C'est très conceptuel. Je vais montrer ça. Ah, celle-là? Bah, attends, elle est trop bien. En vrai, regardez le chat, je vais pas me faire chier. Je vais juste faire. Cette île là, et puis après. Je vais pas... juste récupérer des blocs, juste faire une grosse tour pour monter au bateau. Comme ça, au moins, j'aurai pas de problème. Et le bateau. Ah, tu parles du château d'eau, exactement. Oui, le château d'eau. La tour à pêche. La tour à pêche, le ghast. Moi, je pense qu'on pourrait faire un petit fanart. Enfin, un petit pixel art de ghast. Sur les bords. Mais j'aurais cramé 40 poissons dans l'aine, non? C'est pas con ce que vous me dites là, c'est pas con ce que vous me dites. J'ai plus la map sur moi, bon je continuerai en off, hein. C'était pour vous montrer la technique et je finis là. Donc voilà, faut tout compléter ça. Il nous faut de la laine noire, de la laine blanche et puis de quoi faire les têtes, je pense que je ferai les têtes. Ouais. Ça va être le plus sympa à faire. Après les colorants, c'est pas compliqué. Hein. Oui, puis même ça coûte pas cher à colorer. Bon, j'avoue que si je prends un coup, ouais, moi aussi ça devrait aller. Si je prends un coup, ce sera un coup de shulker, donc ça devrait aller. Bah une fois de plus, une mission rondement menée. Rondement menée, je pense qu'on est les meilleurs, je pense qu'on peut s'applaudir, clap clap clap. Non, si je pète une carpette, ça détruit pas tout. Ça détruit rien du tout, juste la carpette que tu pètes. Pète une carpette. Jamais de bol ce Ika. Oh, pour la netherite, il a eu un peu plus de chance. Oui, par contre la netherite, il nous a mis tarif, hein. Et à un moment il nous a envoyé un screen, il y avait combien 6 débris. Ouais, c'est 6 débris ouais, sur un screen. Ouais. Sur 10 mètres carrés, et c'était un filon de 3, un filon de 2, un filon de 1. Récupère les coffres vidéo pour faire des shulker box. Mais non, mais pas besoin. Enfin, je pourrais, mais j'en ai pas besoin plus que ça. Moi, bon, tout ça c'est bon. J'ai tout mis dans mon under chest du coup. Bah attends, tu peux sauter dans le vide. Donc voilà le ghast. Oula, mais je suis très loin du bateau en fait. C'est une usine à rien. Oh putain, j'étais arrivé, au secours. Vous savez que le ghast n'a pas produit une seule gunpowder depuis que je suis rentré. Hein.
Mais non, mais en fait, c'est, je pense, je me demande vraiment si les, si les moutons gênent pas en fait. Non. Ça se peut quasi. Ça a bien produit tout à l'heure. Ah, mais si je suis là, on est très nombreux sur le serveur, donc le mob pia, enfin, je pense que. Ouais, je pense que ça aide pas. Ouais, mais quand on était pas beaucoup, enfin, quand on était pas nombreux tout à l'heure, ça galérait aussi. Hein. Ah non, ça se prenait très bien. Je t'ai dit, enfin, tout à l'heure, quand on était avec Pierre, en l'espace, enfin, tu sais, quand on pêchait, quand on était monté, genre pêcher. On a eu au moins 10 gunpowder, hein, franchement. Ouais, 15 en gunpowder, ça. Incroyable ce que tu me dis là. Hop là, les élytras. C'est bon, elles ont récupéré. Oh, quel plaisir d'avoir des élytras. Bon, par contre, j'en ai pas besoin tout le temps, et comme j'ai dans le Nether. Je voudrais trouver mon dernier truc de Netherite. Vas-y, fiste-moi, l'ami. Je reviens juste. C'est... Allez, fiste-moi, l'ami. Par passion, bien sûr, hein. Par plaisir. Allez, hop, on range tout ça là-dedans, messieurs-dames. Directement, messieurs-dames. Tac. Voilà. On met tout dans cette shulker-là. Ah, il faut que je garde ça. Bon, c'est bon. Hop, voilà. Bon, j'ai perdu mon eau, mais c'est pas grave. Allez, maintenant l'objectif, c'est de se faire tabasser par les shulkers. Pas mourir de lévitation, bien sûr. Hein. Enfin, de chute. Mais vraiment mourir de ses dégâts, lui. Ouf. Vas-y, continue, mon petit gars. Vas-y, continue. Ouf. Mets-moi ce que je mérite. Allez, vas-y. La tête de dragon. Ah oui, merde, tiens. En effet. Non, rien, j'ai gardé un Ender Chest dans ma poche alors que j'avais pas besoin, mais... Oui, c'est vrai, vous avez complètement raison, le chat, c'est une erreur. C'est une erreur, je vais aller le poser. C'est totalement une erreur. Voilà, c'est bon. Donc tu sais... Ah oui, le succès de voler 50 blocs. Ah bah trop tard, parce que j'ai plus de vie. Allez, vas-y, champion! Tape-moi dans le fond, vas-y! Avec tes boboles! Mais ils sont en train de se taper les deux, les cons, là, mais... Faut me toucher, moi! Touchez-moi! À moi! Allez! Mais... Oh! Et voilà! C'est bon. Tout est sécurisé, on n'a plus qu'à rentrer à la base. La table de craft! Oh non, la table de craft! Oui, j'ai oublié la tête de dragon, mais ça c'est pas grave. Hey, tu peux vider des je crois encore. Le narrateur, zut! Attendez. Narrateur, chat edit box, yusk 2. Voilà, c'est bon, vous l'avez Jimmy, eu. Narrateur, off. C'est bon, vous l'avez eu. Rive la table de craft. Oui, bah ça va. Et ben voilà, bel objectif. Petit squelette qui vient de tomber. Ah ouais. T'as abusé les élytras 10k. Trop marrant. Bien tenté les gars. Bien tenté les infos de chat. Les gens ils sont en mode lol, t'as abusé les élytras 10k. Non, je les ai pas oubliés. Ne t'inquiétez pas, c'est réglé. Ta-da-da. Non, les élytras, ça se répare avec de la membrane de fantôme maintenant. Fut un temps, c'était avec le cuir, mais maintenant, c'est avec les membranes de fantôme. Donc, c'est assez compliqué à faire. Non, hop, je vais reprendre mon stuff déjà. Non, c'est mon stuff, ça y est. Arrête ! Ça suffit, hein ! Hein ? J'ai dit, ça suffit. Bah, non, mais tiens, du coup, non, mais tiens, vas-y, ton. Prends ta chose. Prends... Bah, redonne-la moi, du coup. Merci, parce que moi c'est ma quatrième. Hop, du coup, alors. Attendez. Attends, je fais ça bien, Ika, je fais ça bien. Hop. Monsieur Ika, je vous. Non, mais attends! Mais.
Tu veux. Bah tiens, va te faire foutre, voilà, prends tes Elytra. Voilà, allez dégage. Ça t'apprendra à faire le con avec moi. Je vais t'apprendre à faire le con avec moi. Je m'en fous, j'ai mon one de fantôme. C'est pas grave, moi j'ai des Elytra toutes neuves. Bon, ça change rien, hein. Je me mending dessus, j'y réparé en deux secondes. Il se fout de ma gueule en plus ce con, ouais. J'hallucine. Hein. Chez. Bah c'est pas grave, j'ai des Elytra toutes neuves moi. T'es hop. Bon, j'en ai 4. Oh, et ouais, je peux en faire plus. Bah du coup non, parce que j'étais accessible pour mais. Ça par contre, tiens. Ah putain le salaud. Tiens du coup, je t'offre ça. C'est pourquoi tiens? Bah c'est la tête. Oui. Mes mending dessus. Non non, je vais les laisser comme ça les gars, vous vous doutez bien. Vous doutez bien que je vais pas y toucher. Vous savez qu'il y a un mending qui traîne d'ailleurs là. Parce que sinon Pierre il va encore dire qu'on a niqué 30 émeraudes. Hein. Ouais, c'est quoi, je vais aller au magasin moi, ça sera plus simple. Hein. Ouais. Sinon il va encore me gueuler dessus, j'en ai marre qu'il me gueule dessus. Ah. Après j'avoue que j'avais des bouquins. Attends, là-dedans. Peut-être. Ah non. Ah, par contre, ça a du mal à charger. Hein. Et on n'est pas dans la main. Mmh. Ouais. Ah bah le petit truc là-dedans, ouais. C'est pas mal. Bon bah nice. C'est pas nice tout ce. Tu cherches quoi? Un intérêt à ma vie. Bah après ça, rien de spécial. Ouais, la grande question c'est est-ce que vendredi je repasse 3 heures à explorer dans la nain? Bah t'as les Elytra maintenant hein. C'est vrai. Oui non mais pour avoir du stuff. Oui oui. Ah, pour avoir de l'XP et tout ça. Pour avoir des shulkers surtout. Bien sûr. En vrai, les Elytra, limite, je m'en fous quoi. Je vais juste chez Shulker. Attends, faut que je regarde dans mes box si j'ai pas des Shulker Shell quelque part. Ah. Merci Ultimus pour ton troisième mois. Merci, c'est gentil. Que j'en ai plus. Ah, il me les a vraiment volés cet enfoiré. Pour avoir une tête de shulker. Ah, M, c'est qui M? Ah, Alps. J'avoue. Il est AFK ou il est là? Il est là, Alps? Ouais. Attends, faut pas que j'abîme son pseudo. Oh, les stonkers. Oh. Putain, je suis resté à l'extérieur comme un. Ouh, c'est vous qui m'avez poussé. Aye. Non. Salut. Ah, t'as une tête de shulker? Ah oui, c'est vrai que t'as droppé une tête de shulker. Oui, regarde derrière là. Oui. Là-haut, regarde là-haut. Attends, je peux la voir juste pour elle, elle est toute mimi. Oh. Ouais. Par contre, je sais pas comment ça va être possible. En fait, genre, attends. Comment tu peux faire du coup pour avoir les têtes de shulker teintées? Il faut d'abord renommer le shulker, je crois. Oh, c'est. Oh, mais au secours. Attends, c'est expliqué. Normalement, il faut, oui, c'est ça en fait. Faut renommer mais... un name tag le shulker en fonction de la couleur que tu vois. Et après, tu pètes le shulker. Rename shulker red. C'est 3,8% en looting 3. Ah, ouais. Bon, bah, je. Ça s'est bien passé. Ah, bah, maintenant, vu que t'es là, Pierre, tu peux m'acheter 2-3 bouquins pour pas que je dépense toutes les émeraudes. Ouais, oui. Faudrait juste mending and breaking. C'est tout. Alors. Faut rename la shulker genre red et tu auras la tête rouge. Ah donc ça veut dire faut que tu t'amuses à avoir des name tags genre red et faut que t'aies le pourcentage de... Si jamais on voulait prendre des name tags avant d'être dans l'âne. Ah oui c'est d'accord. Ah c'est... ouais non mais... Putain les name tags par contre on a aucun moyen de les... À part avec la pêche comment pour... Ferme AFK à la pêche. Ouais mais c'est un trésor non? Ouais mais tu peux faire une ferme AFK pour un trésor. Je croyais que tu récoltes. C'est un setup mais... Ouais ok. Alors il te faut qu'est-ce que t'as besoin comme livre? Mending et Unbreaking. Du coup Mending c'est chez Michel mais T'as besoin Unbreaking aussi Ika? Après c'est vrai qu'il y a... non c'est bon. C'est vrai qu'il y a les PNJ qui vendent les name tags aussi. Ah oui. Ouais ça peut être pas mal. Oui c'est vrai. Alps n'a pas de chaîne Twitch, enfin si il a une chaîne Twitch mais il peut pas streamer Alps.
Parce qu'il a une connexion, il a une connexion trop dégueulasse. Ah. Il fait partie de la team ADSL. C'est con parce que je pense qu'il aurait plus d'heures de stream que Sardosh. Oui. Merci. C'est vrai qu'il pourrait enchaîner pas mal. Hein. Merci. Ça fera 10 diamants. Ça marche. Tiens, je les ai mis dans le coffre à minerai. Ouais, les villageois vendent des name tags. Non, j'étais pas parti faire caca, je suis descendu juste pour boire un coup, puis Anna s'est mis à me parler, et puis voilà quoi. Directement. Eh, t'es parti faire caca. Elle débarque. Ouais, il fait un gros caca. Eh, c'est le drôle. Hein? Non, Anna est partie me parler, et... Deux. Et du coup, vous connaissez les femmes. Elle commence à vous parler. Ça parle, ça parle. Et blablabli, et blablabla. Chez Stonks Industries, nous aimons tout le monde. Non, c'est bon, je sais qu'elle regarde pas, je risque rien. Ah, ça va alors. Quoique, vu comme vous rapportez tout. Bon, je fais mes Elytra Mending Unbreaking et petit jeu, guess. Ouais. Ou alors vous voulez faire autre chose avant? Je voulais farmer des têtes de Wither. Hein. Comment ça? C'est vrai que maintenant, grâce à nos Elytra 2000, on peut chercher facilement des forteresses. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Non, mais c'était pour le... Même moi, pour aller chercher du quartz, c'est maintenant tellement si simple. Pour faire un beacon. Par contre, j'ai plus rien pour me défendre contre les piglins, quoi. De quoi ça sert à rien, un beacon? Non, mais on a pas de call build, donc bon. Bien sûr que si, on a 7 blocs. Ouais, il en faut 164. Hein. Et alors, ça se fait. Si vous avez pas tout dépensé dans les émeraudes, ouais, ce qu'il fallait. Dans les émeraudes, il dit. J'en avais fait un beacon en émeraude. Bon, bah alors, c'est de la netherite qu'il me faudrait que je fasse. Il me manque juste un truc de netherite pour moi. Ça me coûte combien pour fusionner ça? Bah voilà, ok. Ouf. Et donc, pour faire ça. 6 niveaux, ok. Road to 6 niveaux. Non, bah écoutez, je vais faire juste un petit peu de. De netherite et. C'est dangereux par ici, messieurs. C'est dangereux d'y aller tout seul. Hein. Bon, on va revenir. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, nous allons créer l'objet le plus utile dans Minecraft pour moi. C'est-à-dire des Elytra Mending Unbreaking 3. Ah, ça, quel plaisir. Ah, j'aurais dû les renommer, merde. Zut. C'est un data pack pour les têtes. Niveaux, ça va. D'ailleurs, je sais pas s'il affiche les têtes d'Easter Egg ou pas. Les têtes d'Easter Egg? C'est pas grave, ça va, on va le faire après. Regardez, je vais juste chercher ça et puis je l'ai, c'est bon. Aïe. Il y en a 393. Ah mais c'est abusé. C'est que Wither Boss... Comment... Il y a des invulnérables Wither Boss? Comment? Non, en fait Wither Boss, quand tu le pètes, t'as une chance d'avoir telle ou telle tête, quoi. En gros, c'est random la tête que ça a drop. Tu peux avoir la tête blanche, c'est le moment où il a l'espèce de filtre blanc sur la tête. Ouais, quand il est faible. Oh, trop bien. Oh, villageois, il y en a 105 de têtes à avoir. Quoi? T'as les villageois de tous les métiers, de tous les peuples. Donc du désert, de la savane, de la taïga, de la plaine, etc. Y a pas les têtes easter egg. Donc. Ça va comme nom ça? Les Elistonks? Ouais, non, c'est pas ouf. Le nom de ce datapack, c'est ML qui fait ce datapack. Ouais, c'est donc bof. Checker, je crois qu'il a fait les vidéos ML. Datapack tête. Même sur son site. Moi, j'aime bien. Sur son site. Ah, peut-être sur son site. Ouais. Ouais, tu l'as sur le site d'ML normalement. Ok. Insane. Non, mais dans les têtes custom, il doit y avoir. On en avait une l'autre jour. Oh, oui, bien. Oh, vous êtes bon. Du ME Controller. Bien sûr, mais bien sûr, bonjour, le R-Stonks. Stonks. Stonks. Voilà, c'est bon, j'ai mes Elytra parfaites, je suis un homme nouveau. Ouais, il me faut combien? Il me faut 4 anciens débris, et c'est réglé. Je suis un homme comblé. Bon, j'arrive à mettre mon homme breaking, moi, puis c'est nickel. Ah, par contre, alors problème des Elytra, c'est qu'on peut pas choper les vignes bleues en vol.
J'ai essayé, ça veut pas. Tu peux pas des Elytra? Bah à part si tu les retires en plein air, mais... Pas te mentir que j'ai pas envie. Hein. C'est légèrement chiant. De toute façon après t'as pas besoin de les choper les... en plein air, enfin en plein vol. Bah je t'avoue que le plafond fera mal quoi. Ouais. C'est dans la tête. Ah. Alors attendez, faut que je regarde un truc. C'est normal avec mon pack. Il me semble que j'ai des crafts custom, genre des trucs tout cons pour changer les textures des ailes. Mais je sais pas comment je peux faire. C'est pas un craft. Oui, enfin, c'est... Oui, oui, passif. Mais... Oui, bien sûr, mais c'est juste que je crois que ça marche dans un craft. Ah non, c'est avec, les, avec un nom sur les anvils. Ah merde. Bah du coup, je... Tu vas être capable pour passer la nuit, au secours. Et on est nombreux, hein. Les gens commencent à faire leur base. Ah, mais je me c'est suis baladé un fine. Peu par curiosité cet après-midi parce que j'ai mon compte spec et je me suis TP aux joueurs juste pour voir. Il y en a qui ont bien bien avancé. Hein. Ok, ah ouais, je peux pas le faire. Sur leur base, ouais, il y en a, ils ont terraformé. Hein. Ils ont déjà leur base de fait, mais ils sont encore en faire. Quoi. Ouais, c'est ça l'idée. Alors que nous, on n'a pas la base, mais on est bien. Bon, moi, je vais les pêcher un petit peu pour XP. Ah oui, c'est vrai qu'on peut les pêcher là-haut maintenant. Oui. Grâce aux Elytra, je m'y rends en deux pas. Quel homme. C'est vrai, merci. Ah, j'ai beaucoup de d'artifice en tout cas, c'est cool. Bah, ah mais je vous en donne, c'est vrai. Parce que j'ai vraiment envie. Hein. Bon, ça va faire comme l'autre fois, on va pas trouver d'anciens débris, et puis d'un coup on va en trouver 10 d'affilée. Waouh, wow, un Ika volant. Coco. Putain, mais y'en a combien par ici hein. Énorme. J'ai pris la bonne canne à pêche. T'as plusieurs cannes à pêche. Bah non, mais tu sais, j'ai une que aussi deux que je dois combiner avec elle. Ah oui. Putain de merde, pourquoi y'a de la lave là. Oh, une canne à pêche sans enchant dessus. Stonks. C'est encore plus rare qu'une canne à pêche avec de l'enchantement dessus. Ah ouais, à ce point-là. Bah je pense, oui. Ça sert à quoi cette piscine hein. Au bout d'un moment... À exposer notre richesse grâce à notre entreprise. Voilà. Et puis au bout d'un moment, à quoi sert cette piscine? On est en train de le faire, les gars, quand même. S'il vous plaît. Là, elle doit bien tourner, je pense, la tour. Enfin, bien tourner. Ça dépend après, hein, le map-yap, mais... Vu que là on est tous les deux en haut. Ouais. Bon bah ça veut pas ce soir. Pourquoi pêcher tout en haut? Pour que notre ferme en dessous fonctionne. Ah, parce que c'est plus classe d'avoir... Pas. Spoiler, elle marche pas, mais c'est aussi classe d'avoir une piscine dans les airs. Quand on est haut, elle marche bien. Hein? J'ai dit quand on est en haut, elle marche bien. Ah oui. Dès que t'as quelqu'un qui est en bas, ça spawn les bombes en bas aussi quoi. Le Discord a du mal non? Ou c'est juste Ika qui... Non, c'était moi qui ai du mal. Hein. Oui, c'est Ika, ça télécharge chez lui là. Oh, t'as une selle. Ouais, mais alors ça, j'en ai un poil trop. Ah ouais. Ouais. Non, mais il y en a trop dans les coffres. Faut que t'en gardes une, pour un cheval et une pour le. Comment il s'appelle déjà le Strider? Enfin, après le Strider. On a des Elytra maintenant. Ah, j'adore. On s'est foulé le lucky là. C'est question. Oui, j'ai déjà stonké. Oui. Calmez-vous. Couche 15 la plus petit. Ouais. C'est kiff kiff. Flame punch pour 4. Oh, pas dégueulasse. Désenchanté directement. Bon, ça après. C'est vrai que j'ai plein de trucs à désenchanter moi.
J'aurais dû des enchants de sable, j'allais chercher du quartz. Oh, je connais pas assez. Ça m'a... Bon, je connais pas assez ces blocs. Ouais, mais un item full enchant, je pense, ça doit te donner peut-être 6 ça, ouais, ça donne pas grand chose après, mais. Ah, si, hein, ça te donne 3 fonds de quartz. Quoi. Mais si jamais t'as genre un item avec 4 enchants dessus, quoi. Après, si t'as juste une canne à pêche maintenant, on n'aura pas grand chose. Ouais, je vois. What the fuck? Stonks, ça veut dire que ben, tu fais des bénéfices. Donc ça monte. Donc Stonks, bien sûr. Tuer tous les enfants. Hein? Non, mais Piglin. Out of context, IPR. Ah, la technique du bed mining, elle est dangereuse. Mais après, maintenant, je suis en full Netherite. Oh, Nautilus Shell. D'ailleurs, on peut faire un conduit maintenant. Cette technique-là était plus rapide, mais je commence à avoir un gros doute. Bah, elle est plus rapide, hein. Non, parce qu'après, faut réparer ta pioche. Et là, j'ai non, rien trouvé. C'est pas tout seul, les pioches. Bah, Impaling 4, Banafatropod 4. Ça, c'est bien, ça, Impaling 4. Tu trouves pas assez de quartz pour qu'elle se répare? Bah, ouais, on a pas touché. Hein. Vous allez faire quoi d'autre ce soir? Petit jeu au guesser. Ouais, probablement, ça. Bah, et d'ailleurs, vous dites quand vous voulez le faire, parce que. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, parce que nous, on pêche, donc. Mais notre opération aujourd'hui a été un franc succès, donc. Franchement, maîtrisé de bout en bout. Bon, voilà, franchement. La société dissident, bon, voilà, on a eu un. Voilà, la société dissident est partie, elle a été remplacée, maintenant on a un associé vraiment incroyable. Comme quoi. Ah, un échange acceptable. Bon, ça, il est parti. Vous comptez faire de la publicité en utilisant des Wither? Bah, en vrai, je pense pas, non. Enfin, vaut mieux pas. Ça peut causer des problèmes, non, d'avoir des Wither de renommée. Alors, le. C'est pas comme sur. Sur Highstone, on peut pas les bloquer avec des fours et compagnie, là. Ah, donc, ouais. Ah, bah oui, parce qu'il y a pas les. Y a pas les oui. Y a pas les private. On va éviter. Bon, j'ai trouvé 3. Oh, t'as eu quoi, Ika? Protection 4, Quick Charge 2. Ouh, nice. Faudrait que je me fasse une arbalète d'ailleurs. Mais oui, je le fais à Seal Touch, parce que sinon ça produit trop de trucs. Et puis après on transforme en XP, mais généralement l'XP suffit pas. Y a pas un ancien débris qui traîne chez l'un de vous? Si, dans mon j'ai un coffre avec des anciens débris qui traînent. Hein, je peux te le taxer? Je vais te chercher ça, ouais. La question en mode si tu réponds non, t'es niqué, quoi. Je peux te le prendre après, si vrai, tu je veux pense pas. La question, elle est vite répondue. Je mais... pense que la question est vite répondue, mais. J'en ai un, ouais, okay, du coup. Merci Jimmy, j'arrive. J'en ai même 3, si tu veux même. Mais bon. Comme les garder pour moi, j'ai pas tout mon stuff. Non, mais un. Ouais, bah c'est un. Bon. Regardez que c'était pas prévu, ça. J'ai miné, je suis revenu à la case de départ, pile quand il fallait. Ah, t'as trouvé. Ah non, c'est. Le Wither peut brock le psy. Généralement, on le bloque dans de la bedrock. Ouais, le Wither il peut brock le psy. Je te l'ai mis dans un baril dès que tu sors du portail, Pierre. Oui, puisqu'on s'en servait pour faire des usines psy. Non, c'est une histoire. En fait, tu peux le verrouiller. Si, il y a toujours des techniques hein, pour un peu ce griffy. Donc, en fait, c'est juste dangereux. Normalement, tu fais. Tu peux le verrouiller en loquant une des têtes sur un mob. Et du coup, à la question. En utilisant des barrières. Après. Pour la question du build au spawn, j'ai pas d'idée, non. Pas encore. J'ai une idée de build pour un gros, une grosse structure que je ferais. Mais après spawn, non mais je trouverai un petit truc. Pas de soucis. Je m'inspirerai encore d'un jeu et puis voilà. Et pour ceux qui posent la question, pour l'aine on a fait une machine volante et on s'est mis dessus, on a fait 1000 blocs dessus. Pour atteindre les îles, puisqu'en fait si vous voulez, quand vous arrivez dans l'aine au 0-0, il y a la plateforme avec le dragon. Et toutes les îles, vous savez où il y a les forteresses, elles sont à partir de 1000. Elles sont à partir de 2000 miles de distance. Me dire qui a... Ah, j'ai eu un arc infinity. Nice. C'est bon. On a quand même beaucoup plus d'or que de fer. Merci Ruzi pour ton prime. Après, l'or, ça sert à rien. Merci après, beaucoup. On bouffe, c'est gentil. Quoi faire, quoi. Enfin, on l'utilise pour les cisailles, là on l'utilise pour le staff dans l'end. Ouais. Pour les anvils aussi. Ouais, pour les anvils ça coûte cher. L'or en fait, c'est pour les pommes d'or pour purifier les villages. Ouais. Et il nous faut combien? J'oseille. Deux stacks et... Ouais, ça va, il nous manque encore des trucs, mais c'est ok.
pixel art de Bigard. Putain vache. Si j'allais me débrouiller, j'en aurais fait, oui. Tu peux pas faire une map de Bigard? Bah la map de Bigard, c'est juste tu fais une queue et puis c'est bon. Ou alors tu fais son t-shirt, mais je pense que j'aurais des soucis si je fais son t-shirt. Ça marque. Le train a fait plouf, c'est pas grave, ça arrive. Il est fatigué, vous savez, à cette heure-là, les SNCF. À cette heure-là, ils ont du mal. Hein. Bon, dès que tu rentres, hein, Pierre, petit jeu au guesseur. Hein. Ouais, je répare juste ma pioche. Le petit jeu au guesseur. Une queue et un verre de rouge, exactement. Là, deux name tags. Ah oui! Ah ouais, on essaie. Oh ouais, très bonne idée, Carnot. Dis donc pour voir. Vendredi, vu qu'on a les Elytras, quand on fait le dragon, on essaye de voler vers lui, on le name tag bon toutou. Oui, on peut faire ça. On peut mettre un name tag sur un dragon. Je sais pas si on peut name tag l'Ender Dragon. Par contre, le dragon il te croque en deux secondes. Hein. Ouais, on sera full. Bah, avec les Elytras, ça fait quand même attention, moi. Il fait mal au corps à corps. Il faut activer les hitbox, il faut bien viser. Non, on peut pas l'Ender Dragon. On peut pas malheureusement. Je viens de regarder. Je regarde sur le site de Minecraft, c'est marqué qu'on peut pas. Ils font le dragon, nous on se barre chercher les Elytras quoi. C'est dommage. On peut pas le renommer. Non, on peut pas, ouais. C'est dommage. Parce que le Wither on peut, hein. C'est ça qu'on fait les pubs. Ouais. Un petit peu déçu. Hein. Non, pas de MLG, justement j'ai de l'XP, j'aimerais bien la garder. Après je vous avoue que... Tu vois, mes Elytras sont déjà full réparé hein, juste en pêchant. Ouais non mais en pêchant ça répare tout seul ouais. Au pire faut faire un Wither au-dessus de l'île et vous le renommez bon toutou. Oh j'avoue. Un petit peu plus de difficulté. Bah, ça on peut le faire mais ça va partir en vrille hein. Puis ça va faire exploser du stuff hein. Oui. Ouais mais on est sur un serveur hardcore ou pas? Bah gros d'armes dans tous les sens mec, ça va être terrible. Hein. Oh, putain ouais. Et on est sur un serveur de bonhomme non? C'est vrai. Ah, alors... Il y a des pauvres personnes. Non. Oh putain, j'aurais dû garder ma pioche en main. C'est vrai que ça donne. Bah, écoute, le Mindbat envoie 10 balles et puis je le fais si tu veux. Hein. Faut que ça soit rentable le pour moi aussi. Le challenge donne de l'XP, ouais, ça m'a donné 2 levels. Et je me demande si ça l'utilise par. Oui, ça donne de l'XP, ouais. Ah, après, j'avoue que par contre, est-ce que ça l'utilise pour réparer ça? Petit achievement swag. Ça fait bizarre de fly en Elytra, j'en avais oublié la sensation. Cover me in débris. Yeet. Je m'y ferai jamais à cette trappe. Qui est prêt à me... On a perdu des villageois ou quoi? Ah non, ils sont tous attroupés. J'ai gagné 4 levels avec mes deux trucs que j'ai des, quoi, c'est terrible. T'as un arc infinity Pierre ou pas? Oui, tu peux prendre le bouquin qui était... Non, mais c'est parce que j'ai eu un arc infinity, c'est pour savoir si je le dés. Ouais, désolé. Et évidemment, j'ai oublié de prendre ma pioche pour les échanges. Ouais, Jim, le temps qu'on pêche, ça fait 10 gunpowder. Ça va en vrai. Donc ça fait 30 feux d'artifice. C'est pas la rentabilité extrême, mais ça va. Alors, ça, faut que je le daise, Wesh, il sort d'où lui? Wesh, t'as cru? Wesh, Michel? Bien ou quoi, Michel? Ça dit quoi? Ah ça retire le Mending mais pas le Vanishing Curse. Trop marrant. Trop donc marrant. Tu peux en retirant que une partie. Ok je savais pas. On va flexer un petit peu dans le laser ou... Attends je suis en train de daze. Terrible ça. Y'a plus de potions oh. Quoi? J'en ai fait plein. Bah ouais, j'en ai bu deux. Hein. Bah en vrai les trucs en diamant on va peut-être les garder quand même. Genre les pantalons en diamant et tout s'il se passe un... Bon, j'ai quasiment réparé, c'est bon. Ça là. Tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que. Ouais. Ok, on fait ça. On va faire des potions de quoi? De heal? Ouais. Qui c'est qui a mis autant de water bubble là?
Des bobbles, c'est Jimmy, des bobbles. Bah et alors? C'est chiant. Bah au moins il y a du stock, il va arrêter de râler là. C'est pareil. Possible ça. On fait les potions de... Attends, on a de la carotte dorée encore? Ouais. Potion de Night Vision en lingering, qu'on les prépare au cas où. Par contre, il faut préparer un casque en Aether, it aussi. Hein. Mm. Ça vire tous tes enchantes, hein, si jamais... Moi, j'ai rien dessus, j'ai protection mending et mocking. Ouais, au pire, tu le réenchantes derrière. De toute façon, dans tous les cas, faudra le réenchante. Mm. C'est pour ça que j'ai pas mis respiration à Coffinity dessus. Mais c'est peut-être là-dedans, oui, mais... Parce que j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Vous avez consommé toute la... Putain, on a plus de trucs pour faire les popos, là. De... Gunpowder, hein. Tout à fait. T'as besoin, t'as... Tu veux diffuser, Ico, ou t'en as assez? Pas de gunpowder. Ah oui, non, ah mais vous avez niqué vraiment la gunpowder ici. Bande de schlag. C'est pas moi. Il y en avait 33, il y en avait plus que 5 après, hein, donc. C'est pas moi. Eh, mais vous. Attendez. C'est honteux, monsieur. Mais on a de la gunpowder, je m'en sers. Mais enlève pas la popo là, qui c'est quand j'ai la popo? Incroyable cette histoire. Non mais... Je sais pas s'il faut l'allonger avant. Je sais pas la potion si c'était une standard. Arrête. C'est vrai qu'au pire on peut dés avant le casque pour récupérer l'XP. Oui, tu peux faire ça. Enfin, si jamais t'as un truc à proximité, parce que si le Wandering Trader est à le bout du monde... Alors par contre, c'est vrai que je viens de penser à un truc. Je reset mon spawn ici, sinon je respawn à l'end. Ah oui, en effet, ouais. Très bonne idée. Allez, venez tous dormir là. Allez, venez tous dormir là. Mm. On est pas bien entre couilles, là, dans un lit. Hein. Plouk. Plouk. Allez, ça part dans l'under chest et il nous faudra un casque. Ouais, aussi le casque là. Ah non, bah non. Du coup, tu veux diffuser, Pierre, ou pas? T'en as déjà? Je veux bien diffuser. Tiens. J'en ai pas des masses, hein. Merci. Va falloir qu'on farme un petit peu de... Tiens, je t'en rends deux. Oh, sympa. Même, honnête. Ça, c'est sympa. Ah, j'ai oublié d'update la carte. Bon! Bah, c'était vraiment mené, ce soir. Mais, c'était mais flex, dites-moi, ce serait pas l'heure de faire un petit géoguesseur? Géoguesseur? Mais oui. Petit géoguesseur. Vivement qu'on ait fait la map pour que... Ah oui, mais non, c'est la map, on peut pas... C'est dommage qu'on puisse pas appliquer les maps sur les shields. Putain, ce serait tellement... Oh les Elytra, mais quel bonheur! Mais je suis un homme heureux! Oh là là! C'est vrai qu'on a de petites têtes aussi là. Oh là là, quel bonheur! Oui, peut-être qu'ils m'ont coûté 20 diamants. Salut les brutes météores. Tête triste. Ah mais attends, je viens de penser à un truc. Juste à mettre mending sur mon pantalon et puis c'est bon, je peux le nésoriter. Peut-être libraire. Tête de libraire. Ah, tu veux essayer de carotte? Non. Non, Là, pour l'entrée des trucs. Une tête bouquin. Non, y'a pas. Avec du minerai. Vous avez un bouquin mending qui traîne? Ou tu peux m'en acheter un, Pierre? Bah. Là, la petite. Je vais mettre ça sur mon pantalon, comme ça j'ai mon pantalon netherite. Je me demande combien j'ai d'échanges avec les villageois. Ah bah, c'est vrai, là, c'est toi le master des échanges. Hein. Ah. Merci. Alors, statistiques. C'est dans quoi? Interaction, Wiz. Y'a quoi à mettre sur pantalon en plus? À part protection 4, breaking 3, mending. Ouais, j'ai parlé 894 fois avec les villageois. Pas mal. Ah, moi j'ai fait 1378 raids. Ah, j'en ai fait 280. Ouais. Ah, on peut mettre tente sur les pantalons? Ah. Les villageois ils vendent des. 500 pieds du poil. Au pire, c'est pas grave, je vais faire le pantalon des oreilles déjà, ça me coûte rien. Attention, et voilà! Ah, bonjour à tous. La distance en Strider, on a fait 4 km et quelqu'un. Pas mal. Bon, du coup, j'ai une grosse épée pour faire du Wither squelette. Manquera juste looting dessus, c'est nickel. Moi aussi, j'ai un très gros stick. Ah, t'as Smite dessus? Ouais, j'ai un Smite 5, Unbreaking, Fire Aspect, Knockback, tout le tralala. Nice.
Combien de diamants la boutique aujourd'hui? Un stack et demi. On est pas retourné voir là. Bah attends, je vais retourner vite fait avec mes étras. Ouais, même. Mais c'est une bonne idée ça. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée dans... Non, ça sert à... non, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire ça sur Houston, c'est pas possible. C'est bon, j'ai pris le bus en marche. Vroom. Faudrait faire sur le toit du Nether. Vroom vroom vroom. Ouais, faudrait qu'on fasse voir pour faire un hub sur le toit. Y'a pas de soucis de chargement là, ça se fait tout seul. Ouais, bah on est parti de laine. Comme quoi. Fais passer à travers les mobs là. À travers les mobs? Ah, à travers le bloc, pardon. Je pars en drift là, hop. Ish. Si on prépare toi sauter, saute. Mais. Qu'est-ce qu'y a-t-il? Faut te plaindre dessus. Oh merde. Pourquoi tu m'as tapé? Ya yeet. Oh. Bonjour. Ah putain, c'est qu'on peut faire. Bonjour gueux. Gueux fly, t'as pas les élytras sur toi. Bonjour gueux. Gueux sans élytras. Mettre un péage à l'entrée de l'end. Ah, c'est compliqué hein. Faut aller tout là-bas. Au revoir gueux. Que le dragon détruise pas tout. Alors, la thune. La thune. Ça vend pas, ça vend pas, ça vend pas. Ça vend pas. Aïe aïe aïe. Ah si, oh, on a vendu un bouquin. On a vendu un Aqua Infinity. Let's go. Ah ouais là, 3. Nice. C'est récupéré. Alors là, j'ai récupéré tout à l'heure donc. Ouais. Bah, tiens, pendant que je suis là, je vais faire mes stocks à moi. Ça pique des diamants, là, des bouquins là. Bah écoute, c'est ma boîte. C'est vrai. Alors attention, mais ils sont en train de faire une deuxième tente. Ah oui. Ah, mais, ça... mais ils font deux tentes dans leur truc. Mais ou alors c'est pourquoi? C'est pour vendre des élytras? Sûrement. Ils préparent, c'est une autre boutique. Ça s'est pas mal vendu hein, parce qu'il manque beaucoup de choses. Hein. Plastron enchanté 6 diamants, projectile protection Unbreaking 3, pantalon enchanté 4 diamants, protection 2 Unbreaking 3, mais c'est moisi ça. Moi j'ai trouvé mon pantalon gratuitement dans l'end en fait, donc je vais pas les acheter ici. Par contre, 10 diamants pour 4 livres, attends. C'est vrai que payer 4 diamants pour le leggings toute la course là. T'économises un brick 3. Eh t'as vu, ils nous écoutent. Ça nous stalk. Va-t'en gueux, tu n'as pas d'élytra, va-t'en. T'économises un brick 3, mais attends, ça coûte 4 diamants pour un seul unbreaking 3. Ah. Ne me touche pas gueux. J'ai radica. Ah! Smite, looting, tout va bien alors. Respect. Ouais. Mais ça change pas que tu restes un gueux. Ah oui, j'en ai oublié, c'est vrai. Il va croire que je le déteste vraiment, à continuer à lui parler comme ça. Il me manque un brag mending, mais je peux les avoir. Ah, mais il a vendu un Infinity à Edo. Oh le salaud. Enfin, il va vendre un Infinity à Edo. On en a pas, nous. C'est vrai qu'on en a pas, nous. En fait, on a des enchantes de merde, moi. C'est vrai qu'on devrait mettre un Wither ou sous le truc et on le renomme combat sponsorisé par. Fight du dragon sponsorisé par Stonk. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Il suffit juste qu'on le positionne en bas, on tu sais, on creuse, on le fait. Il faut le renommer avant qu'il spawn ou après? Avant, tu vois pas. Avant, tu peux pas, de toute façon. Faut attendre que ça explose, je crois, pour le renommer. Si c'est ça que tu veux savoir, Pierre. Parce qu'on pourrait le faire, ça. On le fout dessous. Il va perdre le focus. Il est chez lui, ouais. Bonne question. T'économises les 7 diamants du pantalon. C'est quand même super cher. Bah, disons qu'après, oui, si t'as déjà un pantalon, ça sert à rien, mais. Mais si t'as pas de pantalon, c'est peut-être pas mal. Mais le problème, c'est qu'il y a protection 2 dessus. C'est pas fou. Mmh. Hey. Non, c'est... Mais je comprends le principe. Toujours pas habitué. Bon. On va se dire, j'ai acheté beaucoup. Bon, petit jeu au guesser. Allez, petit jeu au guesser, ouais. Là. C'était quand l'end? Oh, bah, c'était il y a 2-3 heures maintenant. 2 heures.
Tu peux mettre Protect 4 pour 4 level par-dessus. Mais pourquoi ils le font pas de base? Écoute, laisse leur business s'ils sont contents avec ce business-là. Tout à fait. Tac.